Ça a l'air de capter quelque chose, là, c'est pas plus mal. Il y a déjà 3 personnes connectées en plus, c'est fantastique! Alors, je vais voir si je vous entends bien. Alors, je vous entendrai pas du tout, vous, mais est-ce que vous m'entendez bien? Je me mets le chat à côté avec mon téléphone. Il y aura une latence lorsqu'on discutera, donc je verrai les réponses en retard. Mais n'hésitez pas à lâcher des commentaires hein, pour vérifier que vous m'entendez bien lorsque je parle. A priori, mon logiciel de streaming me dit que c'est bon. On a quand même une qualité de diffusion pourrie, ça. Merci YouTube. Si on reste en 240p tout le long, ça va être vraiment compliqué. Je vais pas avoir vraiment mieux, malheureusement, à vous proposer. Parce que la DSL, c'est quand même très lent comparé à la fibre. Hein. Je vais vous demander dans le chat si vous m'entendez. Ça va être compliqué sinon. Alors oui, on t'entend bien. Rodolphe, super. Merci Patricia. Désolé pour le kaléidoscope. La qualité de l'image est bof. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir faire mieux parce que je suis pas en fibre. Donc, mais ça va pas aller très bien là-dessus. Alors, c'est vraiment marrant parce que du coup, je ne vois pas les messages. Voilà, ah, c'est bon. J'ai remis correctement mes messages. Donc, sur téléphone, je devrais pouvoir le voir. Donc, si, est-ce que vous pouvez me réécrire un message pas, des fois que je teste? Censé écrit test, moi je devrais le voir entre mes différentes interfaces, entre le téléphone qui est censé me streamer les messages. Voici un message, test, super. Merci beaucoup, donc je reçois bien vos messages et vous m'entendez, mais avec du décalage. C'est pas terrible. Alors la résolution de 240 pixels, ouais, j'ai pas trop le choix malheureusement, mais avec une latence faible. Si je mets une latence normale, il y a 30 secondes de décalage entre le moment où vous écrivez et les moments où je parle, du coup c'est pas terrible. Je vais vous proposer d'attaquer directement du coup. Donc, je vais être dans mon logiciel. Je travaille avec Altium, moi. Aujourd'hui, on va concevoir une alimentation. Waouh, trop cool. En fait, j'ai plein de vieux boîtiers récup à mon école. Je vais d'ailleurs devoir le chercher à un moment parce que je vais devoir faire des mesures dessus. J'ai des boîtiers d'alim récupérés à mon école qui sont vides ou HS. Donc, ils sont très jolis. Il y a marqué 2 x 15 volts, 200 mAh dessus, mais ils sont inutilisables. Donc on va reconcevoir l'alimentation pour le faire marcher. Donc c'est dangereux, il y a du secteur hein, quand même. Alors même si les courants derrière sont pas très élevés, faut quand même faire attention lorsqu'on manipule ce genre de truc, surtout si on n'a pas l'habitude. Je vais démarrer un nouveau projet du coup dans Altium. J'ai appelé alimentation 2 x 15 volts. Voilà. On va voir s'il l'a pris en compte. Ouais, super. Je vais lui mettre un schéma. Comme ça, on va pouvoir commencer à concevoir dessus. Nickel. On va avoir besoin de plusieurs trucs pour faire une alimentation. Donc, l'alimentation va prendre le secteur 230 volts alternatif 50 Hz. Voilà, ça, c'est ce qui sort d'une prise électrique. Et l'alimentation va le transformer. Il va me falloir un transformateur en 2 fois 15 volts, donc plus 15 volts et moins 15 volts en fait, à 200 mA maximum de courant pour chacune des branches, avec une connexion milieu. Je vais essayer de vous récupérer le boîtier. J'arrive tout de suite. Voilà.
Nickel. J'ai récupéré le boîtier, je vais juste agrandir ma caméra comme ça vous allez pouvoir le voir. Alors peut-être pas à ce point parce que ça va faire un peu beaucoup pour vous. Juste le temps de vous montrer 5 secondes. Voilà la tête qu'a le boîtier. Donc on a bien marqué alimentation stabilisée avec un bouton marche arrêt, on-off. On a une connexion de masse au milieu, une connexion plus 15 volts ici et une connexion moins 15 volts ici. Voilà, donc on a bien deux fois 15 volts qui sortent, un coup moins 15, un coup plus 15. Et la broche centrale, le COM, c'est la broche commune qui sert de masse et qui est aussi reliée au boîtier. Ça, c'est la connexion de terre. Et on a aussi un petit fusible disponible ici, ce qui est plutôt pratique. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, comme ça je pourrai vous y répondre directement, hein. Enfin, avec la latence que ça implique. Voilà, à l'intérieur, on a que dalle, des fils dans tous les sens. Donc pour le moment, le boîtier est absolument inutilisable. D'ailleurs, ça serait dangereux d'essayer de brancher quoi que ce soit, puisque du coup, il y a du secteur qui se balade en l'air. C'est pas soudé, c'est pas connecté. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette petite plaque ici en métal avec deux trous dedans qui supportaient le circuit la fois dernière. Donc, lorsque l'alimentation fonctionnait, on avait le circuit qui était vissé à cet endroit-là, et je vais réutiliser cette plaque pour revisser le nouveau circuit qu'on va fabriquer. Donc, je vais avoir besoin de faire quelques mesures dessus, notamment pour savoir bah, à quelle hauteur et emplacement je dois placer mon circuit, quelles sont les dimensions max qu'il va pouvoir avoir, et surtout quel écartement des deux trous je vais devoir utiliser. Voilà. Je vais vous recacher ça, réduire ma caméra à nouveau. Voilà, c'est quand même vachement pratique OBS, mine de rien. Faire pas mal de trucs. Et on va retourner sur Altium. Il va y avoir plusieurs choses à choisir, bah, déjà un transformateur, forcément. Mais aussi différentes choses derrière. Donc vu que le transformateur, bah, en soi, je vais le choisir à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est le truc le plus embêtant, je l'ai pas en stock. Je vais commencer plutôt par la fin du circuit. Donc je vais avoir besoin de plusieurs éléments. Alors, je vais placer un transformateur avec la mauvaise base de connexion. Donc à droite, je peux choisir quel composant je place. Alors là, par exemple, si j'ai des symboles de transformateur, voilà, je vais essayer d'en trouver un qui se rapproche de ce que moi je vais avoir. Voilà. Donc, a priori, moi je vais avoir un transformateur qui aura à peu près cette tête-là. Voilà. Je vais appeler T1. J'ai ma library custom à droite. Donc ça, ce sont vraiment les composants que moi j'ai fabriqués dans Altium. C'est assez pratique de pouvoir ben, mettre les composants qu'on veut avec les footprints qu'on veut, donc les emplacements de PCB qu'on veut. Je vais d'ailleurs en faire avec vous pour pouvoir faire le transformateur qui viendra après. Sur la gauche ici, je vais avoir l'entrée à ces endroits-là. Donc je vais peut-être vous le marquer quelque part. Je vais avoir. Juste pour qu'on s'en souvienne, ça n'interviendra pas dans le schéma. Mais là, je vais avoir la phase et là, le neutre. Donc j'aurai la phase dans un coin, le neutre dans un autre. Et la terre sera connectée au boîtier. J'ai pas forcément besoin de la connexion de terre directement dans le PCB. Après, je peux toujours le faire, mais je pense que je le connecterai plutôt sur la pin directement du châssis. Donc, comme ça, la connexion se fera obligatoirement. D'ailleurs, je suis même pas obligé de le faire, je peux choisir de ne pas relier à la terre également. Comme ça, je peux les utiliser les unes sur les autres, mes alim, et générer ben, à partir de 2 fois 15 volts, je peux avoir 30 volts, et du coup, je peux décaler. Si j'en mets 2, j'en ai 60, si j'en mets 3, j'ai 90 volts, avec 200 mAh. Donc, c'est pas très utile, mais je peux toujours faire ça si je le souhaite. Ici, on va avoir nos deux secondaires. Alors, d'ailleurs, je vais même changer de symbole, puisque celui-là n'est pas forcément correct par rapport à ce que je veux faire. C'est mieux si j'ai deux. Voilà. C'est mieux si j'ai deux secondaires. Parce que c'est ça en fait vraiment que je vais utiliser finalement. C'est un truc avec deux secondaires. Je vais les relier à nouveau. Sur le circuit, je vais devoir placer deux emplacements pour souder mes fils. Pour ça, je vais aller dans ma bibliothèque de connecteurs. Et j'en vais en chercher un qui s'appelle plug, il n'y en a qu'un seul, et ce truc-là, cette espèce de flèche que je place, ben, ça va être en fait les deux connexions AC de mon transformateur. Donc je peux mettre AC1 et AC2, ou phase neutre, ça revient au même.
À droite, je vais avoir deux secondaires. Un me générera le plus 15 volts et l'autre me générera le moins 15 volts. Pour faire ça, il va falloir que je les relie ensemble. Ça, physiquement, mon transformateur aura vraiment deux secondaires. Il faut que je relie le point milieu. Alors que je me gourre pas si j'ai un schéma de côté. J'essaie de faire le schéma en live aussi, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Ouais, ça devrait le faire si je le fabrique comme ça. On va relier au point milieu cet élément-là. Et on va utiliser un pont de diode. Donc le pont de diode, c'est un truc pratique. C'est avec 4 diodes, on peut générer 2 tensions rectifiées. Donc pas continues encore, mais rectifiées. Et on va en générer une positive, une négative. Donc on va prendre ça. Et je vais les placer sous forme de pont de diode. Donc ça ne sera pas des 1N4148 qu'on va utiliser, parce que ça c'est des diodes de signaux. Ça serait mieux d'ailleurs de l'appeler D2. Diodes de signaux, ça peut pas prendre beaucoup de tension, c'est pratique pour les petits signaux, donc tout ce qui est rectification dans les pédales d'effet par exemple, parce qu'on a besoin de calculer des valeurs moyennes, des trucs comme ça, saturation dans les pédales de guitare ou dans les amplis. Voilà, donc je vais le câbler comme ça. Là on va changer de type de diode. On va utiliser des diodes de puissance. Et vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de courant, on va prendre des 1N4001. J'ai toujours pas de questions dans le chat. Non, effectivement. Donc, s'il y a des choses que vous comprenez pas, que vous voulez que j'explique en particulier, n'hésitez pas, bien sûr. Si vous arrivez à avoir quelque chose malgré tout. Voilà, la qualité est pourrie, mais on voit à peu près comment c'est foutu, j'ai l'impression. Donc ça m'a l'air cohérent. Voilà. Ce qui se passe dans notre circuit, c'est que ici, on va avoir une tension sinusoïdale pure. Lorsqu'elle passe dans notre transformateur, elle va être transformée depuis 230 volts à une certaine valeur. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Là, on veut générer 2 fois 15 volts. On va prendre un transformateur 2 fois 18 volts. Il me faut un petit peu de marge. Je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Ici, à cet endroit-là, on va donc avoir une tension positive par rapport à la masse, puisqu'on a connecté ce point-là à la masse. Mais à cet endroit-là, on aura une tension négative. Toujours sinusoïdale, toujours avec 50 Hz en fréquence. Mais par contre, cette fois-ci, on aura 2 fois 18 volts. Donc 18 volts d'amplitude ici, enfin 18 volts RMS d'ailleurs, et 18 volts RMS en dessous. Là, je vais t'expliquer, Patricia, ce que c'est que le pont de diode. Le pont de diode qu'on a ici, je vais juste vous montrer les sorties qu'il y a ici. Voilà, c'est à cet endroit-là. Les deux sorties se trouvent... Alors, pas comme ça... En gros, je mets plus 5, mais ça sera pas cette valeur-là, c'est juste pour vous donner une idée de là où on sort. Donc là, on a une sortie, là, on a une sortie. Donc ça, c'est on va avoir une tension entre les deux. Et plus intéressant encore, on aura une tension par rapport à la masse avec ces deux-là. En fait, on a 18 volts alternatifs ici et 18 volts alternatifs ici aussi, sauf que les deux sont en phase inversée l'une par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive dans ce pont de diode ? D'ailleurs, j'ai une faute dans mon pont de diode. Lui, il doit être comme ça. Et lui, il doit être comme ça. Sinon, c'est pas du tout correct. Qu'est-ce qui se passe dans notre pont de diode ? Bah, lorsque... Oula, non, n'importe quoi, qu'est-ce que je fais ? Ah, mais je fais plus d'erreurs que ce que je pensais là-dedans. Oula. Voilà, donc, en fait, les flèches doivent toujours partir... Donc les flèches, les diodes, je veux dire, elles doivent toujours, pour un pont de diode, partir de la tension la plus négative, donc ici la sortie négative, remonter dans les deux branches alternatives, donc ces points-là et ces points-là, et ensuite se rejoindre avec deux diodes à nouveau dans la tension positive. Qu'est-ce qui se passe lorsque notre tension est positive à cet endroit-là par rapport à la masse ? C'est-à-dire qu'on est dans la partie positive du cycle de la sinusoïde. Ça veut dire qu'ici on est dans la partie négative. Les deux marchent à l'envers l'une de l'autre. Ici, lorsque c'est positif, on aura une tension positive qui traverse la diode D1. Mais elle ne peut pas traverser la diode D4, parce qu'on voit que la diode D4, dans ce sens-là, elle est bloquante, alors que la D1, elle est passante.
On va donc avoir un signal positif qui passe dans D1. En bas, la diode D3 va conduire, parce que cette zone-là est plus négative. Le transformateur est plus négatif que ce qu'il y a à la sortie négative. Et à ce moment-là, la diode D3 conduit, mais pas la diode D2, parce qu'elle, elle s'attend à voir quelque chose de positif. Ça veut dire que lorsque on a une tension positive à cet endroit-là, qu'on est dans le haut du cycle, les diodes D4 et D2, elles ne conduisent pas. Donc en fait, on se retrouve avec un schéma comme ça. Et ici, on aura une tension négative. Ici, on aura une tension positive, ce qui est bien ce qu'on veut. Effectivement, on veut bien une sortie positive et une sortie négative. Lorsqu'on est cette fois-ci dans l'inverse, qu'est-ce qui se passe lorsque ici c'est plus négatif? Bah, à ce moment-là, en bas, on est plus positif. Pas le choix. Du coup, cette fois-ci, c'est pas D1 qui va conduire, mais D4. Et ici, c'est pas D3 qui va conduire, mais D2. Autrement dit, on se retrouve, si j'arrive à sélectionner, avec une configuration comme ceci. D4 conduit, D2 conduit, mais pas D1 et D3. Vu que c'est plus négatif à cet endroit-là, la tension ici sera négative, et ici elle sera positive. Autrement dit, quelle que soit la portion de cycle sur laquelle on se trouve, on aura toujours des alternances positives d'un côté et négatives de l'autre. Obligatoirement. Je vais remettre les diodes. Donc le pont de diode, c'est un truc qui va prendre un ou deux signaux alternatifs, qui va les rectifier. C'est-à-dire que toutes les alternances négatives deviendront positives dans la partie plus, et toutes les alternances positives deviendront négatives dans la partie moins. Donc pour la sortie positive et la sortie négative. Et ça permet de générer des signaux qui sont toujours positifs en moyenne et toujours négatifs en moyenne. Par contre, ils sont toujours alternatifs. Ça va toujours bouger. Et nous, on veut des signaux continus. Donc il y a une deuxième étape à mettre derrière, c'est de quoi filtrer le signal. Et vous savez bien comment on filtre, on utilise des condensateurs. Est-ce que Patricia, ça répond à ta question pour le pont de diode? Le pont de diode, du coup, c'est quatre diodes placées de cette façon-là, et qui permettent de générer des tensions en moyenne continue, toujours alternatives, qui sont pas encore filtrées, je veux dire. Tout ça à partir de tensions alternatives pures sinusoïdales. J'espère que ça devrait aller. Ah super, on a la Tunisie qui nous rejoint. Merci beaucoup. Nickel. Super Patricia, si c'est ok pour toi du coup. On va continuer un petit peu. Je vais peut-être d'ailleurs vous sortir un paint, ça sera plus drôle, ça vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe en fait. Je pense pas qu'on puisse écrire facilement sur Altium. Non, je peux pas. Alors faut que je réactive l'onglet de recherche que je vire à chaque fois. Paint, tu veux pas? Si, super. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de manière extrêmement moche, puisqu'on est quand même sur Paint. Donc là, on a notre transfo. On va avoir un truc là. Il est connecté à la masse. Voilà. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, on a le secteur 230 volts alternatif. Ici, on va sortir 2-3 trucs. Je vais être vite limité en taille de plage, moi. Taille de plage. Tu veux bien me faire ça sur 4000 pixels, s'il te plaît? Super, c'est toujours pareil. J'aurai un peu plus de place à droite, j'imagine. Toujours pas. Je sais vraiment pas utiliser mes outils, c'est assez incroyable. Hop, plus petit. Voilà, sur la gauche. Trop à gauche non plus. Super. Voilà. Ici, on a 230 volts alternatifs, avec les cycles vers le haut, puis les cycles vers le bas. C'est toujours en référence, hein. Et oui, j'ai compris que c'était le Farid avec tes shorts et tes crampons, j'avais vu ton message. Ici, on va avoir. Alors, un peu plus gros mon pinceau, s'il te plaît. 18 volts, toujours alternatif. Le haut, puis le bas. Ici, on aura aussi 18 volts, alternatif. Et d'abord, on démarre en bas, puis on démarre en haut.
Ah, donc ça, c'est vraiment les deux signaux principaux qu'on va se retrouver à avoir. Un qui est d'abord positif, puis négatif, et l'autre qui est en attendant d'abord négatif, puis positif. Salut Philippe! Voilà. On va avoir notre pont de diode. Je vais vous le représenter de manière penchée parce que c'est généralement comme ça qu'on le retrouve représenté dans nos trucs. Lorsqu'on regarde des schémas d'ampli, on va le voir penché de cette manière-là, en fait. Hop, ici on connecte notre alternance positive, ici notre alternance négative, et on va sortir comme ça et comme ça. Super. Donc, ici, on va se retrouver avec toutes les alternances positives. Donc, d'abord, les diodes qu'on a vus tout à l'heure vont conduire. On va avoir une zone positive. Et dans l'autre cycle, en fait, c'est l'autre partie du transformateur qui va donner une alternance positive à cet endroit-là. On va se retrouver avec des alternances comme ça. Voilà, le point en bas, c'est à peu près 0. Ici, on aura les signaux inverses, les alternances négatives seulement. Voilà, cette configuration-là, ça s'appelle un full wave rectifier, bridge rectifier, un truc comme ça, en anglais. Ça veut juste dire qu'en gros, on utilise 4 diodes pour générer, pour rectifier toutes les alternances des signaux, et en plus, on en profite pour générer deux tensions, une qui sera globalement positive, une globalement négative. Maintenant, il reste à filtrer, à réguler, à refiltrer, et on peut sortir ça direct. Ça ne sera pas des alimentations stabilisées de laboratoire avec des systèmes un peu compliqués d'équilibre, de genre de choses. Donc il n'y aura pas de limitation de courant incorporée, c'est pas du tout le but. L'idée c'est juste de sortir vraiment 2 fois 15 volts, stabilisé, donc régulé dans mon cas, 200 milliampères. À cet endroit-là, il va falloir filtrer, et le meilleur moyen de filtrer, en fait, c'est d'utiliser des condensateurs. Si on utilise des condensateurs, ça veut dire qu'on vient en fait à chaque cycle, au lieu de juste rectifier notre signal et donc d'avoir ce côté alternance positive ou alternance négative. Si on filtre, ça veut dire qu'on va avoir. Ouais, non, il est dégueulasse le schéma arc. Jamais, jamais je publie ça. Vous pourrez trouver tous les schémas possibles sur Internet. Je mettrai peut-être des liens en description. Il va falloir filtrer en fait tout ça. Et en fait, on va à chaque cycle charger un condensateur. Et le temps qu'il se décharge, ben, on va pouvoir le recharger au cycle d'après. Il ne faut pas qu'il se décharge trop. Donc il faut prendre un condensateur assez gros. Ça va être l'idée du truc. Si on retourne sur notre alimentation, on en est à là. Donc pour le moment, notre truc marqué plus 5 et notre truc marqué moins 5, ils sont pas encore régulés. Et pas filtrés. Donc ici, je vais avoir à peu près plus 18 volts et ici, moins 18 volts. Voilà. En tout. Il va falloir filtrer tout ça. Et pour filtrer, on va utiliser des condensateurs. Alors, je les ai là-dedans. Hop, 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 c'est Cap-through-hole électrolytique qu'il me faut et je vais utiliser des condensateurs de très forte valeur parce que je veux vraiment avoir suffisamment de courant. Si je regarde ce que moi j'ai en stock, de toute façon je crois que je vais en recommander. Je crois que je vais prendre des 1000 microfarads, 25 volts ou 50 volts, ça devrait être suffisant. Ici, on va placer du coup. Je vais me faire une ligne de masse parce qu'ils vont tous filtrer par rapport à la masse. Donc tout ça c'est connecté à la masse et c'est aussi connecté au point ici du transformateur. Et ça sera connecté au châssis pour des questions de sécurité. Voilà. Ici on va mettre un condensateur C1, 1000 microfarads et 50 volts dans l'idéal pour garder un petit peu de marge. En fait 35 volts serait suffisant. C'est standardisé, il y a certaines valeurs qui sont disponibles, pas toutes. Il n'y aura pas 51 volts par exemple. C'est pas très grave, on s'en fout un petit peu. Ici, on va mettre C2 du coup, parce qu'il faut faire la même chose en bas. À partir de là, on va déjà avoir du courant continu disponible. Le problème avec ça, c'est que le courant continu qu'on aura aura toujours des petites oscillations dessus. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on se concentre uniquement sur la partie positive du signal, hein. On a d'habitude ça qui va apparaître. Voilà, c'est vraiment pas très beau, mais ça sera suffisant pour expliquer. Ce qui va se passer quand on met un condensateur, je vais le tracer en vert, c'est qu'on va le charger en même temps, et au lieu de redescendre, bah, le condensateur va juste perdre un petit peu de valeur. Puis là, on va le recharger, remettre, perdre un petit peu de valeur, etc. Et etc. Donc, en gros,
Au lieu d'avoir, je vous fais le graphe, là c'est les tensions et là c'est le temps. Non, pas aussi moche le temps, s'il te plaît. Je sais que j'ai pas dessiné, mais quand même. Donc en gros, la sortie verte, elle va effectivement avoir une valeur moyenne ici positive, V+, mais elle va aussi toujours avoir des oscillations autour. Et ça, on ne les veut pas. Donc, même si c'est bien filtré, pour avoir le moins d'oscillations possible, on prend des condensateurs très gros, mais plus ils sont gros, plus ils sont chers. Et plus ils sont gros en capacité, plus ils sont gros physiquement aussi. C'est-à-dire que si je veux vous donner un exemple, je vais me les sortir de mes petites boîtes à proto, je vais les rapprocher de la caméra. Hop. Je sais que c'est pas ouf niveau de définition, du coup je vais agrandir à nouveau ma caméra. Bonjour. Ça, c'est un condensateur de 10 microfarads. Ça, c'est un condensateur de 4700 microfarads. On a une sacrée diff déjà, rien qu'en termes de taille. Et si vous voulez jouer à qui est la plus grosse, il faut que je sorte ce que j'ai derrière ici. Hop, où est-ce qu'il est? Parce que j'en ai quelques-uns qui traînent qui sont assez must-stock aussi. Si vous faites des amplis à lampe, vous allez avoir besoin de tensions assez élevées. Ça, c'était 10 microfarads à 50 volts. Ça, c'est 100 microfarads à 450 volts. Donc en termes de taille, voilà, ça se pose là quand même. Autrement dit, faites bien gaffe aux condensateurs que vous achetez. On a vu passer de temps en temps sur le groupe Facebook. Merci pour le t-shirt. On a vu passer de temps en temps sur le groupe Facebook des gens qui ont acheté des condensateurs 220 nano 400 volts et ils se retrouvent avec des pas beaucoup trop gros parce que c'est effectivement pas ce qui est préconisé pour des tensions dans les pédales d'effet. Quand on est à 9 volts, on va pas s'embêter. Bon, attention à la taille de ce que vous achetez aussi. Étonnamment, dans ce genre de cas, la taille compte. J'ai donc décidé de continuer avec des 1000 microfarads 50 volts. Ah bah justement, on parlait de taille. Je vois que j'ai pas changé à droite la taille du condensateur que je voulais prendre. Donc je vais prendre du 5 mm de diamètre au lieu de 2 mm de diamètre. Donc en fait, là, je choisis juste la taille qu'il me faut. Hop. Ah, il est chiant ce truc. Ce logiciel n'est pas super optimisé en termes de placement et de câblage. Hein. 1 microfarad 50 volts. Ça c'est C2. Ça c'est C1. Et est-ce que je peux le modifier d'ici? Oui, je vais lui demander de changer le footprint pour 5 mm. Ok, donc en gros ça va être des gros condensateurs placés sur mon circuit. Vous allez le voir tout à l'heure, j'ai des vues 3D aussi, c'est assez joli. Sauf pour le transformateur, puisque lui je ne l'ai pas encore fait. À partir de là, on a donc 18 volts avec du courant continu disponible. Au moins 1 ampère si le transformateur est capable de les fournir en fait. On peut sortir quand même pas mal de trucs. Au-delà d'un ampère, c'est nos diodes qui vont cramer. Donc on peut pas vraiment le pousser trop non plus. On pourrait avec des diodes beaucoup plus lourdes, j'ai pas de référence en tête, mais il y a pas mal de gens qui utilisent une diode de 3 ampères, parfois pour des amplis à lampe aussi, parce que au démarrage, pour certains trucs, bah, il faut un peu plus de courant, etc. En l'occurrence, on n'a besoin que de 200 mA à peu près, donc on s'en fout de la valeur que ça a exactement. Un N4001, c'est standard, ça coûte 2 centimes pièce, voire 1 centime les 2000 sur AliExpress, quoi, quand vous les prenez en lot. Et franchement, ça fait très bien le taf dans quasi toutes les situations. Ça fait partie des trucs que je vais recommander. D'ailleurs, moi, à la maison, j'ai des AN4007. Donc, c'est ce que moi, je vais utiliser. La seule différence, c'est que les AN4007, elles tiennent plus de tension. Mais bon, on est sur du 18 volts. On s'en fout, là encore. Je le mets juste comme ça, moi, je ne me perdrai pas dans mes schémas derrière. On a 18 volts avec du courant disponible un petit peu, c'est bon. On n'a pas encore 15 volts, donc il va falloir redescendre à 15 volts. Et surtout, il y a encore des oscillations parasites. Ça, c'est plus embêtant. Qu'est-ce qu'il me faut pour complètement arrêter les oscillations? Quitte à perdre un petit peu de tension, puisque je vous rappelle qu'on a 3 volts de marge à peu près ici. On va utiliser un petit truc qui s'appelle un régulateur de tension. C'est un circuit intégré, un dispositif tout simple. J'en ai là. Ça a 3 pattes. Je vais vous le passer à la caméra, mais vous le verrez pas beaucoup. Ça a 3 pattes, c'est tout petit, et ça permet juste de descendre une tension non régulée, comme on a là, jusqu'à une tension régulée de notre choix. On peut acheter
des régulateurs de tension de valeur fixe ou en prendre de valeur variable. Par exemple, le LM317 et le LM337, c'est des régulateurs positifs et négatifs variables. Moi, je vais utiliser un autre régulateur, c'est le 7815 et le 7915. Donc là encore positif, négatif, mais fixé à 15 volts. Je sais qu'en sortie, j'aurai 15 volts. Alors, la grande question, c'est est-ce que j'en ai qui traînent? Je ne suis pas certain d'avoir fait un régulateur dans ma bibliothèque. Non? Ok. Donc je vais devoir fabriquer un régulateur. Là, on va passer sur autre chose. On va aller dans la bibliothèque custom que j'utilise. Donc là, je vais avoir tous mes composants que j'ai fabriqués sur la gauche. Je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler 78XX parce que du coup, ça sera toute la série de régulation que je vais pouvoir faire avec ça. Les reg 78XX. Désignateur, ça sera A ici. Commentaire, il n'y en aura pas. Et description. Régulateur de la série 78XX. Super. Ça, c'est juste. Voilà, ça, c'est pour l'A ici. Ça, c'est pour le commentaire. On s'en fout, ça n'apparaîtra pas. Je vais devoir dessiner un symbole pour ce truc-là. Alors, je vais pas trop m'embêter. Ah, super, j'ai une erreur 503 sur la lecture du chat. Bon, c'est bon, ça a l'air de fonctionner maintenant. Je vais juste placer un petit rectangle. Par exemple, bah, de là à là. Puis, je vais juste mettre in-out. Et il n'y a que trois pins de toute façon. C'est une référence, l'entrée et la sortie. Tout le reste à l'intérieur, c'est une boîte noire, ça marche tout seul. On va placer une pin ici. Alors, elle est un peu trop grande, du coup, je vais changer sa longueur. Voilà. J'en ai une ici, une là, et une en bas que je veux bien pour le coup avoir en un peu plus longue. Pas aussi long que ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va avoir. Alors pourquoi ça s'appelle tous 1? Parce que j'ai pas changé le nom pour le moment. Il y a plusieurs choses qui vont apparaître. Il y a le vrai nom de la pin, le nom que moi je vais placer. Donc si je veux me rajouter du texte, je peux. Et en fait, le nom de pin, c'est ce qui va me permettre de le connecter à quelque chose, à un modèle qui existerait déjà éventuellement. Et je sais que moi, j'ai déjà un footprint qui me va pour les régulateurs de tension avec un petit schéma, genre une petite modélisation 3D sympa que j'ai fait avec. Alors, le format que j'utilise pour ça, c'est du TO220. Ça a cette tête-là. Par contre, je ne sais pas encore. Ce qui va sur quelle pin? Est-ce que la pin de gauche, de milieu ou de droite, ça va sur l'entrée, la sortie ou la masse, le commun? Pour savoir ça, je vais sortir tranquillement le doc technique du truc. 7815 datasheet. Donc là, on va regarder ensemble la documentation technique pour savoir comment le câbler. Là, est-ce qu'il peut me le sortir? Parfait. Ici, on a la doc technique de chez Fairchild et ON Semiconductor, puisque maintenant ils ont été rachetés, pour la série LM78XX. Donc ça peut être 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 et 24 volts avec un courant de sortie jusqu'à 1 A. C'est vachement pratique, il y a des protections internes, des courts-circuits, des trucs anti-courts-circuits, donc c'est vachement pratique. Ici, on a bah, du coup un TO220, c'est bien ça que je vais utiliser. On a sur la pin 1 de gauche, donc. L'entrée, la pin 2 c'est le ground, et la pin 3 c'est l'output, donc la sortie. Si je retourne sur Altium, je vais donc dire que ça c'est l'entrée sur la pin 1. Alors, faut que je renomme ça, donc name c'est in. La sortie c'est la pin 3, ça s'appelle out. Et ça c'est la masse, c'est 2, et son nom c'est ground. Souvenir, ça devrait l'avoir correctement mappé. Je vais juste vérifier que ça l'a bien fait. Okay, donc lui, il a bien pris ça en compte. Mappage. Donc pin 1 in, pin 2 ground, pin 3 out.
Donc pour lui, ça c'est correct. Par contre, moi j'aime pas le fait que tout soit moche au milieu là. Et je peux pas le changer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça. Et puis, comme j'aime pas avoir les chiffres, je vais en fait cacher les chiffres aussi. Il faut quand même que j'arrive à me repérer gentiment sur ça. On va placer du texte. Alors, non. In. Out. Grand. Là, ce qu'on vient de fabriquer, ça s'appelle un symbole. Donc, on a un symbole qui représente notre composant. Il n'est pas très beau, mais il va fonctionner. Ce symbole-là, in, out, grand, on va pouvoir l'utiliser derrière. Donc là, je lui ai dit, j'ai créé un symbole, ça va être lié au footprint. Donc ça, c'est le. On ne peut pas déplacer les références quand on crée un symbole. Parfois, si, mais j'ai pas trouvé dans Altium pour tout. Parfois, oui, parfois, non. C'est un peu bizarre comment ça fonctionne. Là, notre symbole qui est donc ici, il va être relié, c'est ce que je lui ai dit de faire, à un footprint. Donc ça, c'est des pastilles sur le circuit, c'est le dessin sur le circuit imprimé sur le PCB. Et je lui ai dit de prendre le package DTO220 qui est celui que moi j'utilise pour faire ces pièces-là. Donc j'ai choisi de prendre ça. Je lui ai ensuite dit que la pin 1 ici, ça serait la pin 1 du package, la pin 2 ici, ça serait la pin 2 du package, et là la pin 3, c'est la pin 3 du package. Donc c'est lié maintenant, on a relié chacun des connexions du package TO220 aux connexions symboliques de notre symbole. Il me reste plus qu'à retourner là-dedans et à retourner dans mes projets, compiler la bibliothèque. Et voilà. Maintenant, si je descends dans régulateur, j'ai reg 78XX et on voit que je peux utiliser le symbole que je viens de créer. Donc je vais le relier. On remarque que j'ai le 3 qui est toujours mis en place, donc ça faut que je le corrige aussi, je ne l'ai pas caché. Hop. Là, je viens de le refaire. Je vais recompiler. Et de souvenir, on peut faire un tools update selected from library. Donc je vais sélectionner ça. Et ouais. Fais-moi ça, s'il te plaît. Exécute les changements. Et voilà. Donc là, le 3 a disparu à droite. Donc là, j'ai update ma bibliothèque pour pouvoir utiliser tranquillement mon circuit. Donc ça, c'est IC1. Premier circuit intégré qu'on va utiliser. Maintenant, il m'en faut un deuxième. Ça sera un 78-15. Je vais peut-être le mettre à la place d'ailleurs. 78-15. Voilà. Comme ça, on sait que ça sera ce truc-là qu'il faut utiliser. Est-ce qu'à chaque logiciel, il faut créer sa librairie? Tu peux pas faire de librairie partagée pour plein de logiciels parce qu'ils ont tous un peu leur format à eux. Ça arrive, notamment je crois Eagle et KiCad, ils ont des trucs qui peuvent un peu s'échanger. On peut parfois lire des symboles de librairie d'un autre logiciel, donc ça arrive. Perso, j'ai décidé de recréer toute ma bibliothèque parce que je sais exactement que les symboles que j'ai sont faits pour les composants que je veux. Il y a les librairies de base qui sont proposées par Altium, proposées, pardon. Qui sont disponibles, hein, je les ai là, mis devices et connecteurs, et là j'ai plein de trucs, hein. J'ai des batteries, j'ai des diodes, il m'a mis toutes les diodes possibles, elles ont le même schéma sur le PCB, hein, ça change rien, c'est juste le nom qui change. Il y a tout ce que tu veux dedans, sauf que, ben, plus d'une fois, je les ai placés et je me suis rendu compte que l'emplacement des pattes n'était pas correct par rapport au transistor que j'utilisais réellement. Du coup, c'est chiant. J'ai fini par laisser tomber et à refaire moi mes pattes. Refaire mes dessins 3D, refaire tout ça. Donc j'ai vraiment décidé de refaire ces trucs-là. Perso, ça me permet d'avoir plus de contrôle sur la bibliothèque que j'utilise. Donc je sais vraiment que les pads que j'ai choisis pour le symbole, ils sont corrects, ils sont bien reliés. Si j'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Et ça m'arrive. Le dernier circuit qui est imprimé que j'ai fait, bah, j'ai fait une erreur de footprint comme un con. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec des câbles à devoir placer sur les composants pour les relier correctement. Voilà. C'était une erreur à moi, mais au moins je sais que c'était pas une erreur à cause d'Altium. Disant ouais c'est bon, en fait pas du tout. Ils savent pas exactement tout le temps, hein, c'est des trucs de base, faut pouvoir les modifier, et franchement au bout d'un moment j'en avais marre à chaque fois de me dire faut que je remappe correctement c'est quoi le symbole, c'est quoi les bonnes connexions. Ça me prenait trop de temps. Du coup c'était plus rapide de fabriquer les trucs, et c'était rigolo de faire du design 3D rapide dans Altium pour avoir un résultat à la fin. Ok, on a un 78-15 pour notre positif, par contre il nous faut quelque chose pour le négatif. Alors,
Le 7815, c'est un régulateur de tension 15 volts positif. Il va nous falloir l'opposé, donc un 7915. Et là, je dois voir si c'est le même câblage ou non. LM7915. Je suis d'accord avec toi, François. Sur la question librairie, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, clairement. Alors, documentation technique pour le LM79. Donc, je l'ai ici. On a cette fois-ci, vous le voyez, hein, c'est un peu bizarre, mais pour ces trois-là, enfin pour ça, on a grande à gauche, puis input, puis output. Ben, c'est pas pareil en fait, finalement. Voilà, donc on ne peut pas réutiliser la même chose, il va falloir que je le recable. On va retourner dans notre truc et je vais juste copier bêtement et coller ce que je viens de faire pour le régulateur 78. Sauf que je vais le renommer, hein, bien sûr. Il s'appellera 78, 79XX, cette fois-ci. Et je veux mettre ça en haut. Pourquoi? Parce que dans le négatif, ben en fait, on va surtout avoir les masses en l'air, donc je préfère faire ça. Pourquoi est-ce que je prends un autre régulateur et pas le même? Il y en a un qui est fait pour les tensions positives 15 volts et l'autre pour les tensions négatives 15 volts. Voilà, c'est tout. C'est pas le même composant. En soi, il fait la même action, il régule une tension, sauf qu'il y en a un qui part de tension plus que 15 volts pour descendre à 15 volts, et l'autre qui part de tension moins de 15 volts pour arriver à moins 15 volts. C'est pas super pratique. Malheureusement, pas le choix, je suis obligé de refaire ça comme ça. Hop. Donc moi, dans mon cas d'utilisation, ça sera plus simple si je le mets, si je le place comme ça. Et on a vu que cette fois-ci, le grand, ça serait pas la pin 2, mais la pin 1. Je retourne ici, je dis que c'est la 1. L'entrée, c'est la 2, et la sortie, c'est toujours la 3. Voilà. Je retourne dans mon schéma d'alim. On va recompiler la librairie. Cette fois-ci, alors je suis pas dans la bonne forcément. Custom library, je vais dans la librairie, j'ai régulateur 7915. Je place mon bloc. On voit qu'Altium, on n'a pas grand-chose à faire de où je lui ai dit de placer mes trucs. 7915. Ça, c'est relié à l'entrée, ça à la masse, et ça sera la sortie. On y est presque, il reste une dernière chose à faire. Les régulateurs de tension ont besoin en sortie de capacité. Donc on va devoir remettre une capacité en sortie. Cette fois-ci, on va se contenter d'une capa à 25 volts. Parce que ben, je sors max 15 volts. Donc limite, je pourrais mettre une capa à 16 volts, mais c'est trop petit la marge. Je préfère réutiliser ce genre de choses. On peut mettre C3. Et on peut mettre ici C4. En soi, il n'y a rien d'autre à faire en soi. Là, on a une alimentation filtrée et régulée. Hop. 25 volts. On peut en profiter tant qu'on y est. Ça sera la dernière étape. Rien ne nous empêche en fait d'augmenter un petit peu l'efficacité de filtrage. Et pour ça, on a juste à mettre une capa de 100 nanos en plus dans le circuit. Alors si on regarde les exemples d'utilisation, donc eux apparemment ils proposent pas spécialement d'en mettre. Hein? Alors est-ce qu'on peut trouver un endroit où il nous le dit pour stabiliser? Bon, il a pas l'air, ils ont l'air de pas en avoir grand-chose à faire. Alors du coup, si je mets 15 volt regulator schématique, ah, vous allez voir. Voilà. Bon là c'est pourri, ils n'ont pas mis beaucoup, mais ils ont mis, tu voyais, une capa film, donc cette fois-ci pas une électrolytique, hein, une valeur 330 nano avant, en parallèle de la première. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que les capas électrolytiques, elles filtrent bien les basses fréquences et mal les hautes fréquences. En fait, elles commencent à perdre de leur efficacité. Ça, c'est un truc qui est rarement abordé en élec, mais en fait, les capas électro, bah, toutes seules, elles vont mal filtrer les hautes fréquences. Et typiquement, l'audio, ça va leur arriver aussi. Donc, généralement, quand on dit mal filtré, c'est très faible, hein. C'est mesurable, mais très faible. Une manière d'améliorer ça, c'est de mettre en parallèle une capacité céramique ou film de valeur plus faible, juste pour aider à filtrer à cet endroit-là.
ou par exemple 330 nanos ou 100 nanos, c'est très bien. La valeur importe peu. C'est juste le type de diélectrique, donc le type de capacité qui est important. Donc ici, céramique en bonus ou électrolytique. Voilà, donc dans cette alim, ils en ont mis deux parts et d'autres. Moi, pour le coup, je vais juste en mettre à la fin. Je ne vais pas en mettre juste avant, au début. C'est un choix perso, en soi, ça va pas changer grand-chose. Puis c'est juste pour... Je voulais juste vous parler de ça, en fait. Donc je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Si dans le chat, vous savez, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de travailler avec des alim, si vous savez votre part, s'il vaut mieux les mettre avant, après ou les deux, l'idéal serait peut-être les deux d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, ça m'aidera un petit peu. Et ici, je vais pouvoir mettre... Et deux condensateurs, C5 et C6, qui seront des 100 nanofarads. Alors là, la tension, tant que c'est 25 volts, c'est bon. Sauf que vous trouverez beaucoup plus facilement des tensions style 63 volts, 100 volts. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je le préciserai pas là-dedans. Et voilà le schéma de notre alim terminé. On a bien le transfo d'entrée, les 4 diodes qui font la rectification, les capas de filtrage, puis la section de régulation. Et ici, à ces endroits-là, je vais pouvoir prévoir de sortir des fils. Je vais dans mes connecteurs. Je reprends ça. Et ici, je vais sortir les petites flèches que je mets là. En fait, c'est vraiment des sorties fils avec un pad sur le circuit. Et la dernière chose que je vais faire, c'est sortir ici Common. Donc ça, c'est le point milieu qui sera connecté au châssis. Ici, c'est plus 15 volts. Et ici, c'est moins 15 volts. Voilà. Les noms qu'il y a en rouge dans mon schéma, ils sont tous connectés ensemble lorsqu'ils ont le même nom. C'est juste pour se repérer nous dans les schémas. Ça, c'est vraiment un truc qui va apparaître physiquement sur mon circuit. Donc j'aurai pas une sortie moins 18 volts ou plus 18 volts. J'aurai que les sorties où il y a marqué plug en dessous là. Donc celle-là, mais aussi les entrées AC1, AC2. Donc là, on va vraiment avoir nos connexions qui se font. Alors, je regarde comment était foutue ma boîte pour savoir. Non, ils avaient pas plus que ça. Ils avaient pas soudé plus que ça le. Ok. Maintenant, il y a deux choses que je vais devoir rajouter qui vont paraître un peu bizarres. Il faut bien que je fixe mon circuit à la boîte que j'ai. Donc pour ça, il faut que je rajoute des trous de perçage. Et je crois que j'en ai dans ma bibliothèque que j'en avais prévu. Voilà. Là, je choisis un trou. Modèle M3. Donc, je vais faire un trou de dimension 3 mm de diamètre. Et je vais pouvoir les placer ici. Donc, j'ai trou 1, trou 2. Eux, ils seront connectés au châssis. Donc, en soi, je pourrais directement les connecter à la masse. Si je fais ça, ça veut dire que je connecte par défaut ma masse sur mon boîtier. Si je veux pouvoir plus tard faire un circuit avec une masse qui flotte, c'est-à-dire que ma sortie n'est pas référencée au boîtier, donc je peux la brancher où je veux, même en série de 150 volts ou 200 volts dans un ampli à lampe, ben je peux. Donc moi je vais pas le faire parce que ça m'enlèverait des options de connecter ça à la masse. Mais souvent on va connecter les trous du châssis à la masse. Voilà. Souvent on va faire ça. Donc moi je vais les laisser flottants. Rien de particulier à faire. On a notre schéma complet. Il reste une seule chose à faire. Je veux monter le transformateur sur le PCB parce que je vais utiliser des transformateurs faits pour. Du coup, ce transformateur-là, je vais devoir le changer et mettre un transfo à moi avec une vraie empreinte. Sauf que j'ai un peu la flemme de retaper tout le symbole. Du coup, je vais copier-coller salement celui-là et je vais le réutiliser. Ça, c'est sûr et certain, je le ferai. Par contre, je ne sais pas encore lequel il me faut. Il me faut bien un transformateur 230 volts vers 2 x 18, mais je ne sais pas lequel acheter. Parce que suivant lequel j'achète, je ne vais pas avoir le même schéma de câblage dessus. Voilà, c'est pas toujours standardisé. Tous les 2 x 18 volts ne sont pas câblés de la même façon en interne. Et du coup, on va faire une petite session sélection de composants. On va aller sur Farnell. Je sais qu'ils ont ce qu'il me faut là-bas. Et on va se balader. Donc là, c'est vraiment de la sélection de composants qu'on va faire. Alimentation électrique et protection du circuit. Transformateur.
C'est ça, transformateur PCB, c'est nickel. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va avoir beaucoup de choix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. À peu près 400, 400 produits, quoi. Du coup, il faut trouver quand même les bonnes spécifications. Alors, en secondaire, je veux 2 fois 18 volts. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, mais je veux pas. Enfin, ça peut être moins. Non, du coup, si je fais une détention à 15 volts, je veux pas. Donc, je vais aller entre 2 fois 18 et 2 fois 24. Allez. Rien que ça me trouve 67 transformateurs qui conviendront. Donc, ça me fait encore trop. Je vais vraiment rester que sur 2 fois 18 volts. Et il m'en trouve que 33. C'est déjà mieux. Ensuite, mon alim, elle doit pouvoir débiter au moins 200 mA. Est-ce qu'il me propose des courants? Là, je vais choisir quand même au moins 200 mA. Là, j'ai quoi? 166, 220, donc 220 jusqu'à 1,16. Je me trouve 12 produits. Et enfin, je voudrais. Voilà, connexion simple ou double, c'est pareil. Voilà, donc là, il me trouve 12 produits. Donc j'ai potentiellement 12 transformateurs qui font l'affaire. Comment j'ai choisi? On va trier par prix. On va prendre le moins cher. C'est en gros comme ça que ça marche, les mecs. On choisit les specs qu'on veut et ensuite, bah, on va quand même finir par laisser tomber et prendre le moins cher derrière, quoi. Alors, que je regarde ce que je peux sortir. Ça, c'est intéressant. Ils en ont beaucoup en stock, 700, donc je sais que je pourrais en acheter. Voilà, le courant de sortie, c'est 278 mA. Donc, ça devrait être suffisant pour ce que je vais en faire moi. Ce sera pas trop un problème. Si je voulais un truc un peu plus costaud, je pourrais aller sur celui-là, qui est pas encore dispo, mais qui sera livré le 4 avril, apparemment. Voilà, lui, il propose 600 mA en sortie. Donc, c'est quand même beaucoup, mais ils en ont pas en stock. Niveau tarif, le moins cher qu'on a est à 7,10€. Et comme je vais certainement en acheter 4 au moins, je vais en fait en acheter 5 et je les aurai à 6,55€. Ça m'en fera un en rab si jamais j'en crame un, hein, parce que ça peut arriver. Voilà, et vous voyez que les plus chers qu'on va avoir, ils sont par là, bah, 30€ pièce. Pourquoi? Bah parce que si on regarde le transformateur, ça sera une bonne marque en général, déjà. Et il propose quand même un courant de 1 A 16. Donc là, on commence à sortir pas mal de patates. Mais ça sera très bien pour mon utilisation. Ça va être assez rare que je pompe 200 mA, je pense, sur ce truc-là, puisque 2 fois 15 volts, c'est typiquement les tensions idéales pour un préampli à transistor. Il va falloir le reproduire maintenant, notre schéma. Donc là, ils vont nous donner très peu d'infos. Voilà, si, on a quand même les infos qui nous intéressent. Donc on a les points 1 et 6, 12, 11, 8 et 7, qui sont tous représentés sur le schéma. On a des diamètres de perçage pour le fixer, que je vais pouvoir utiliser si je souhaite. Pas obligatoire, bien sûr. Ça peut être fixé juste par lui-même. Ici, ils disent que le secteur 230 volts 50 Hz, il se fait entre les bornes 1 et 6, forcément c'est plus éloigné, et on va sortir 18 volts et 18 volts entre 7, 8 et 11, 12. Voilà. Et on a tous les pas en millimètres qui permettent de les placer. Donc c'est ça qui est pratique, c'est que là, je vais prendre ça et je vais le répliquer sur mon logiciel. Et ça devrait fonctionner direct. Donc on a bien ce symbole-là, on voit bien qu'on a un primaire, deux secondaires isolés. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Après moi je les relierai dans mon schéma. Il suffit d'aller dans ma librairie et de créer un nouveau composant. Donc là, alors je vais pas cliquer sur le bon bouton. On va rajouter un transformateur et lui il s'appelle Mira 44 000, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc là on a ça. Je vais très gentiment. Ouais, j'ai fouillé dans mes dossiers. Ouvrir. Bibliothèque. Là je triche complètement parce que j'ai vraiment la flemme de refaire le câblage. Donc je vais retourner. Est-ce que j'arrive à aller dedans ou pas? Ouais, super. Et là j'ai la bibliothèque de schéma de Altium que je vais joyeusement pomper. Voilà. Donc c'était le transformateur 3 qu'on a ici. Copier. Coller.
Hein? Pas trop s'embêter, donc ça je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Ça c'est les blocs, voilà c'est ça que je voulais. Designator T point d'interrogation, pas de commentaire. Là je veux juste dire que c'est la série 44000 de la marque Mira. Montage PCB. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait dans la doc? On a entre 1 et 6. Alors, l'ordre dans lequel nous vont nous donner est important. C'est-à-dire que là, 7, 8, 11, 12, je pense que... Voilà. C'est-à-dire que si on applique une tension positive de 1 vers 6, on aura positif de 7 vers 8 et de 11 vers 12, j'imagine. Ça me semblerait pas incohérent. Généralement, c'est indiqué lequel est positif, lequel est négatif. Ça, c'est juste des questions de sens. C'est pas très important dans notre cas d'utilisation. Donc là ils disent secondaire 2 fois 18 volts, c'est ça, et le fusible, c'est un fusible qui est sur le primaire, je pense, à 63 milliampères. Voilà, parce qu'ils ont tous le même. Caractéristiques électriques côté primaire, Mira est norme sur le dessus. Là ils donnent des indications de comment c'est fichu. Voilà, fusible thermique, temporisé, peut-être, je sais pas. Un truc comme ça. C'est peut-être des fusibles qui se reset lorsque les tensions redeviennent normales. Donc en tout cas, ça fait de la protection supplémentaire, c'est pas plus mal. Voilà, donc on aura les pins 1 et 6, les pins 7, 8, 11, 12, et on a des trous de perçage qu'il faut prendre en compte aussi. Je vais faire ça. Mettre. Donc lui, il s'appelle prix plus, il s'appelle 1, lui, il s'appelle 2, je vais le rappeler 6. Ensuite, c'est 7, 8, 11, 12, donc. 7, 8, 11, 12. Voilà. Le fusible, on le met pas sur le PCB. Alors tu pourrais tout à fait le mettre sur le PCB, prévoir le fusible. Et tu as du coup, tu as juste à souder un porte-fusible circuit imprimé et tu viens juste cliquer un fusible dessus. Dans mon cas, dans mon boîtier, j'ai déjà un porte-fusible qui est monté sur le devant. Donc je sais que je vais avoir un fusible à cet endroit-là. Il sera en série avec le connecteur d'alimentation et le switch on-off. Ils sont pas représentés tous les deux sur le circuit, tu vois. Et pourtant je vais les avoir. C'est parce que dans mon PCB, je ne les fixe pas dessus. Je n'ai pas besoin de les fabriquer. J'aurai des fils qui les relient depuis mon châssis, ou depuis ma boîte, jusque au circuit PCB. Au circuit imprimé. Toi, tu vas aller en haut. Voilà. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais placer pin ici, que je vais appeler hall. Est-ce que ça passe? Je vais l'écrire là plutôt hall. Parce qu'il y a des trous effectivement, et du coup il y aura des vis. Du coup, peut-être qu'il faut les mettre à la masse à un certain moment, dans certains montages. Je n'ai pas forcément besoin ici, donc je ne les utiliserai pas, mais ils ont le mérite d'exister. Je vais l'appeler H. Et je veux pas voir ça. Je vais l'appeler Ose pluriel. Donc je sais que j'ai les trous que je peux câbler si j'ai envie. Je parle des trous là qui sont marqués perçage 2,5. Ok, donc ça c'est correct. On a un symbole qui me va bien. Par contre, on n'a pas encore le footprint qui va avec. Et là, bah, je vais sortir ma bibliothèque de footprint. Je vais très gentiment d'ailleurs copier-coller le nom que j'ai donné à ça. C'est ça. Dans ma bibliothèque, je vais créer un footprint qui s'appelle comme ça. La hauteur, est-ce que ça nous est donné? La hauteur totale du truc. Ouais, 34,5 plus 3,6. Fait 3,6 cette zone-là, c'est énorme. J'ai 4 mm plus à peu près 38, donc 39 mm. Allez. Je sais maintenant mon truc, parce qu'on peut avoir des contraintes de hauteur de composants. Je sais que lui il va faire 39 mm de hauteur. Du coup, je vais peut-être regarder. Est-ce que j'ai 39 mm de dispo? Ouais, c'est pas large, mais ça passe. Au pire, je retournerai le
ce que j'ai dans mon boîtier. Parce qu'il faut que je fasse gaffe que ça rentre dans mon machin, sinon si ça rentre pas, je suis dans la merde. Ok, donc là, on va avoir ce truc-là. Je vais directement lui dire, choisis ça. Alors pour le moment, il m'affiche rien parce que je lui ai rien mis. Mais au moins, je sais qu'il va être correctement câblé. Il faut que je place mes différents pads. Donc, je vais placer déjà un pad. Voilà. Alors là, il est en mécanical. Coucou, c'est lui, le pad. Quel diamètre est-ce qu'il me faut à l'intérieur? Eux, ils me disent que le diamètre recommandé, c'est 0,8 mm. D'accord. Je vais quand même prendre un peu de marge. Du coup, je vais lui donner comme diamètre. Il était à 0,762, je lui mets 0,9 mm. Voilà. Et comme je veux un peu de marge pour souder aussi, au lieu de lui mettre 1,5, je vais lui mettre 1,8. Ouais, ça me semble pas trop mal. Voilà, donc je vais avoir des pattes qui auront tous 1,8 en gros diamètre et 0,9 en diamètre interne. Ça devrait être suffisant pour placer correctement mon circuit, mon PC, mon transformateur. Alors j'ai 1 et 6, donc je vais l'appeler 1. 1. Le côté pas passionnant, il faut copier-coller. Il y a un 6, 7, 8 de souvenir. Et 12. Voilà. 1, 6, 7, 8. 12. Maintenant, il faut faire les placements réellement. Ah, bien sûr, il y avait deux trous. J'ai un ici. J'ai H. Lui aussi, il va avoir un diamètre différent de perçage, par contre. Voilà, lui, il demande un perçage à 2,5 de diamètre. Donc, je vais lui laisser un peu de marge. Au lieu de faire 2,5, je vais dire 2,8. Bien sûr, faut qu'il y ait un trou suffisamment grand autour, donc 3,5. 5. Voilà, ça laisse un trou dans le circuit à ces endroits-là qui seront câblés si je le souhaite à la masse par exemple pour les vis, ça peut être ça aussi bête que ça, ou dans le vide ou pas utilisé, mais au moins je les aurai. Ça sera si je veux réutiliser le transformateur, je pourrais utiliser le même footprint, j'ai pas à m'embêter avec. Eux ils sont placés de part et d'autre avec 40 entre les deux, 40 mm plus ou moins 1. Voilà, donc d'ailleurs, toutes les dimensions sont bien en millimètres, rassurez-moi. Bon, je pense que oui. Parce que ça peut être en inch, mais c'est plus rare. Ça veut dire qu'il faudrait tout multiplier par 2,5. Je pense pas que ça soit le cas. Donc 40 plus ou moins 1. Ok. Ça veut dire que là, je dois le placer à moins 20, celui-là. Et toi, à plus 20. D'accord, ça a l'air d'être correctement placé ici. 6. Hop. Voilà. Ils disent que c'est 27,5 à cet endroit-là. Entre les 1,6 et les 7,8. Mais j'ai pas la taille entre les deux. Par contre, je peux la déduire avec ça. Donc je vais d'abord placer 12, 11, 8 et 7. Donc j'ai 13,75. Pas embêtant quoi. Il faut que je les décale un peu à la main cette fois-ci. Je vais lui dire de changer la grille. Qui me la bloque à 0,25 parce que du coup je vais pouvoir descendre d'un demi-part en 13,75. Ok, entre 11 et 12 j'ai 5 mm. Donc là je suis à 15, du coup lui doit être à 10. Alors, pareil ici. Voilà, donc là j'ai bien 5 mm entre 11 et 12 et entre 7 et 8.
Ok, il me faut 15 mm entre 11 et 18. Donc là, 10, celui-là, il est à 10. Il faut 15. Du coup, toi, tu dois aller à 5. Ah, et je vais les centrer. 15 divisé par 2, ça fait bien 7,5. Donc ceux-là sont correctement placés. Les trous sont correctement placés par rapport au schéma qui nous est donné ici. Maintenant, à tous les coups, 27,5 sur 2, ça fait 13,75. Ok, ça veut dire que eux aussi sont placés à 13,75. De milieu à milieu. Avec un écart de 25. Je vais les prendre. On va les monter jusqu'à 13,75. Il y a 25 entre les deux, donc 25 sur 2, c'est 12,5. Les Y. Du coup, tu m'embêtes parce que là, t'es marqué 14. Je suis vraiment à 13,75. Donc, moins 12,5. Toi, 12,5. Ok, ils sont placés comme ça apparemment. Est-ce que c'est le cas ici? Ouais, on voit bien qu'ils sont alignés avec 6 et 7 sont alignés, 1 et 12 sont alignés. Donc on a bien placé tous nos éléments. Par contre, on n'a pas tout à fait fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le contour du truc. Donc là, on a un truc de 50,1 par 42,1. On va placer. Alors du coup, je vais aller dans Overlay, ça c'est les dessins pour l'afficher sur le circuit. Je peux faire carrément placer rectangle. Non, bon, tant pis. C'est 50,1, 42,1. Perdu. Je pars de 0 parce que ça m'aide à me repérer. Ce sera du 50,5 à la place. 42,1 T. 42,5. Je reviens à 0. Voilà, donc ça c'est le grand 4 qui fait tout le tour, qui est encore mal placé pour le moment. Alors, est-ce que je peux... Ah, m'embête ce truc. Voilà, je veux juste te déplacer, hein. Super. Du coup, là, faut que je place correctement. Donc... Toi, tu vas être là, ça c'est sûr, et toi, tu vas être là. Voilà. Donc là, il est correctement placé. Donc, je suis repéré à partir des points de marquage au milieu des segments. Hein. On a bien ce truc-là qui va faire tout le tour. Donc, ça, c'est les diamètres max. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enfin créer une dernière chose. Créer un corps qui va prendre. Le tour. Voilà, donc je vais créer une zone 3D. Ça sera de taille 30. Alors là, on l'avait cette fois-ci ici, 34,5. Si je veux faire ça un peu mieux, dire que c'est allez, 32. Allez, je vais pouvoir changer sa couleur aussi. Ce que je trouve où c'est, ici. En une espèce de brun comme ça, c'est bien. Puis je vais le prendre, copier, et lui dire, bon, tu vas perdre 3 mm partout. 2 mm.
Juste pour donner un aspect un peu plus proche de ce que j'ai dans la réalité. Ok. Ah, lui, il va se décaler donc. 34,5. Il démarre à 32. Il sera de même couleur. Et lui, j'ai juste à venir le placer au centre. Et vous allez voir, quand je passe en vue 3D, voilà ce qu'on voit. C'est pas beau. Bah, ça a rapidement la tête de ce que j'aurai à la fin sur mon transformateur. On voit en dessous l'emplacement des différentes pattes. Donc c'est plutôt pas mal. Une dernière modif que je vais faire, je vais repasser en vue avec les, comme ça, avec toutes les pattes. Je regarde et je vois que là, l'emplacement, l'écart entre les deux, c'est 40 plus ou moins 1 mm. C'est assez beaucoup 1 mm. C'est plutôt beaucoup, je trouve. Du coup, même s'il recommande un perçage à 2,5, je sais pas si je vais le garder comme ça. J'imagine que le 2,5 prend déjà en compte le plus ou moins 1 en fait, par rapport au trou standard qu'il y aura. Donc je vais le laisser comme ça. Et si jamais je constate des erreurs quand j'imprimerai mon circuit, ben je referai ça. Je referai ça à la main pour les prochaines versions. Voilà, mais je suis déjà content d'avoir cette pièce-là. Eh bien 1, 6, 7, 8, 11, 12. 1, 6, 7, 8, 11, 12. Là, je vous ai montré du coup comment réaliser un footprint, donc une empreinte circuit imprimée, à partir des docs techniques des constructeurs. Et en général, ça marche. Quand on ne fait pas d'erreurs comme moi, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs à la con sur des footprints et d'avoir des trous trop petits. Vous gourrez pas, ça peut être écrit en millimètres, mais ça peut aussi être écrit en pouces. Auquel cas, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà. Et là, si je lui dis regarde, il va me trouver tout de suite celui que je viens de créer. Donc, ça sera le bon. Je revérifie une dernière fois mes pins. Une, deux, enfin une, 6, 7, 8, 11, 12. C'est nickel. S'il y a une erreur, est-ce que je percerai sur mon PCB? Alors, je vais éviter de faire ça parce que ça va vraiment l'abîmer. Niveau mécanique, c'est vraiment pas fait pour. Par contre, ce que je vais faire, c'est que s'il y a une erreur sur mon PCB, je compte pas utiliser les trous de perçage à vis du dessus, mais je veux les avoir pour les prochaines versions si jamais je refais des modifs et qu'il faut que je le visse. Donc pour le moment, j'ai pas trop de soucis à garder l'erreur sur l'application que je veux faire aujourd'hui. Après, si je compte réutiliser ce genre de transformateur et qu'il y a une erreur, je corrigerai l'erreur pour les prochaines versions de PCB. Ça oui. Donc je corrigerai l'erreur dans ma bibliothèque. Et là pour moi, c'est bon. Juste à remplacer ça, du coup. Par, alors du coup Custom Library, il faut que je la recompile. Voilà, il faut que je choisisse ça. Clic. C'est le transformateur T1. Et on a maintenant terminé la conception de notre alim. Voilà, c'est joli, hein. Tout ce qui nous reste à faire, donc là encore je pourrais relier en fait la pin qui correspond au trou à la masse du circuit, mais je vais pas le faire parce que je l'utiliserai pas, donc je m'en fous. Pour le moment, je vais pas l'utiliser. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir créer dans mes projets, dans mon projet d'alim, un nouveau PCB. Il va me créer une nouvelle zone pour l'alim. Là, je vais sauvegarder ça sous le nom. Alors là, par contre, c'est important que je sauvegarde ça sous le même nom dans mes projets alimentation. Il faut que j'ai exactement le même nom que mon schéma, sinon il ne le prendra pas. Ça, c'est bon. Et si je fais importer le schéma, clac, voilà, tout est bon. Et on a tous les composants qui sont ici. Alors pourquoi est-ce que ce truc s'affiche en vert? Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est une erreur. Il considère que j'ai une erreur dans mon circuit. Pourquoi? Bah parce que dans les règles de conception qu'il a par défaut, que j'arrive pas à changer, il considère qu'il a besoin. Je vais changer juste mes unités. Je passe en millimètres. Et je veux une grille à 0,5, c'est le plus pratique pour moi. Parce que j'ai des petits yeux.
Voilà, il dit, attention, la hauteur max autorisée, c'est 25,4 mm. Non, non, je veux bien aller jusqu'à 40 mm. Ok, plus de problème. Donc c'est juste que mon transformateur était trop grand de son point de vue. Il me dit, attention, tu fais des conneries. Non, non, je veux pas de conneries du tout, t'inquiète pas. Maintenant, on va pouvoir commencer à placer les composants sur le circuit et à le router. Donc il va falloir que je prenne en compte là où se trouvent tous mes composants, tous mes machins, pour placer correctement mes composants. Faut que je vérifie 2-3 trucs, du coup. La hauteur, là, c'est 42 mm. Parce que là, il faut que je le conçoive pour mon alim spécifiquement. Donc je vais avoir besoin de 40 mm de place. Alors, je vais prendre une meilleure règle que ça. J'ai pile la place de mettre le transfo à cet endroit-là. Il faut que je mette les trous juste au-dessus. Ok. Ça va être un chouïa tendu pour tout placer là-dedans. Du coup, première chose que je vais faire, c'est que je vais passer en vue conception de board. Donc là, c'est, je ne peux pas placer les composants, je peux juste changer les dimensions de la plaque PCB. Et je vais lui dire de les modifier. Alors ça permet vraiment de faire des dessins assez précis. On peut faire des formes un peu bizarres, genre des ronds, des carrés si on veut. Enfin, les carrés, ça va, c'est plutôt normal, mais le reste, non. Donc là, en profondeur, enfin en hauteur max de PCB, j'ai 95 en hauteur max. Donc là, en maximum de hauteur, je vais déjà placer mon origine dans cet angle-là. Ah, okay. Là, je vais avoir 10. 100, du coup, 100 mm. Voilà, donc je peux aller jusqu'à, a priori, 10 cm de hauteur. Mais j'aurais clairement pas besoin de tout ça. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu de marge, je vais mettre 95 mm plutôt. Voilà. Maintenant en largeur, là je suis en train de faire mes mesures en parallèle sur mon petit boîtier. Hein. Donc vous étonnez pas si je tourne la tête de la caméra 30 secondes. En largeur, je peux aller jusqu'à 80. Va falloir que je mette tout ça dans cet espace, mais vous allez voir que ça se fait très très bien. Et je vois que mon board n'est pas droit ici, il est légèrement de travers. Ah, donc ça doit être un joli rectangle. Ok. Est-ce que c'est ce que c'est. Pardon. C'est cette partie qu'on appelle le routage? Oui, c'est ça. On va faire le routage des composants, ça veut dire que je dois les placer et bah, faire en sorte que de les relier entre eux. Donc là, je suis en train de choisir la taille de mon circuit imprimé. Pour le moment, je suis parti sur des dimensions maximum, mais je vais les réduire dès que possible, parce que je le voudrais le plus petit possible, ça coûte un peu moins cher. Ça me semble bien comme truc. Je vais retourner en vue composant. Là, je peux les sélectionner et les déplacer. C'est ça. Ou Patricia, si tu t'y mets un petit peu avec des logiciels genre Eagle, c'est gratuit, KiCad aussi. Enfin, Eagle, c'est, je crois, avec des conditions de gratuité, je sais plus trop quoi. Mais je sais qu'ils ont des licences réduites étudiantes pour certaines personnes et tout, et on peut demander à avoir des trucs comme ça avec des licences éducation. Si tu te mets à faire du routage, ce genre de choses, il y a KiCad en gratuit, il y a EasyEDA qui est directement lié à JLCPCB. Donc une fois que tu as fait ton schéma, que tu as placé tes composants, tu peux directement appuyer sur le bouton rajouter au panier JLCPCB et ils peuvent te l'acheter. Enfin, tu peux l'acheter direct depuis le logiciel. Avec leur bibliothèque de composants à eux, comme ça tu sais que ça rentrera dans leurs composants, tu peux leur demander de les souder et tout. Donc tu peux vraiment concevoir des circuits et les lancer à l'impression depuis ton bureau en Chine, sans aucun souci. C'est assez marrant d'avoir ça d'ailleurs. Combien de profondeur j'ai à cet endroit-là? Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait passer quoi. Du coup. Je vais placer mon transfo le plus en bas à gauche possible.
Est-ce que je veux faire ça? Ouais, je vais pas avoir le choix parce qu'en fait, si je le place plus en hauteur que ça, je vais tomber sur les trous de perçage. Je vais pas avoir trop le choix, je vais être obligé de les mettre là. Et mes trous de perçage, c'est H1, H2. Alors, je veux pas qu'il y ait marqué H1 et H2 sur mon circuit, du coup, je vais les faire disparaître. Je m'en fous de ça. Par contre, je veux le bon écart entre les deux. Est-ce que j'ai un moyen simple de voir ça? Je vais dévisser ma pièce. Là, j'ai une pièce métallique qui me sert, servira, pardon, à supporter mon transfo, mon circuit et tout. Je vais la dévisser pour faire des mesures plus précises à la règle dessus. J'ai pas envie de perdre les vis non plus. Je fais ça en live, j'ai décidé de choisir ça comme sujet en live parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent en pédale d'effet, des alim. Pas directement en tout cas. Et c'est aussi un projet que j'ai avec un pote du coup. On a récupéré, comme je vous l'avais dit à mon école, des boîtiers d'alim stabilisés vides et on veut les remettre en état. Du coup, on les refait aux spécifications de l'école quoi. C'est censé être du 2 x 15 volts, 200 mA, on va se faire ça. Pratique. Du coup, voilà la pièce qui sert à supporter le PCB. Je vais avoir à peu près 40 mm ici, 4 cm de marge, donc c'est pas énorme non plus. Ça sera, je pense, tout pile, ça risque même de frotter sur le bord du boîtier. Mais le haut du transfo étant isolé, c'est pas un problème. Le transformateur fera pas de court-circuit ou quoi. Par contre, la distance de perçage qu'ils ont choisi, 2,5, et c'est M3. Alors du coup, là, je vais être là. Merci, Philippe, hein, c'est gentil. Mais si, t'en fais pas, ça se fait en vrai. Ça se fait, c'est. J'aime bien parler pendant que je fais des trucs, du coup ça aide aussi. Là j'ai choisi des trous de 3 mm de diamètre, sauf que c'est déjà le cas ici, et je suis pas sûr d'avoir le placement idéal par rapport aux trous qu'ils ont fait. Ça sera peut-être au dixième de millimètre près. Et du coup je vais changer ce que je voulais faire. Au lieu d'avoir des trous de diamètre 3 mm, je vais lui dire choisir un trou, voilà, de taille 4. Pareil pour toi, choisis un trou de taille 4 mm. Et ici, j'ai juste à lui dire, ah, vas-y, importe mes changements. Et là, les trous ont grossi. D'ailleurs, ils sont en vert parce qu'ils sont trop proches. Donc, je vais les avoir ici. Ah oui, il va pas être content dès que je vais vouloir les passer en dessous, effectivement. Hop. Que je peux éditer. J'ai une 7. Donc là, j'ai recentré mon origine. Je peux la déplacer autant de fois que je veux. Hop. Je veux juste vérifier un truc pour plus tard dans la conception. Si je fais ça, est-ce que ça passe? Ça a l'air. Ok. Je vous expliquerai ce que je viens de faire plus tard. C'est mieux sur PC. Oui, forcément. Mais ça sera pas forcément plus joli à regarder si ma co est toujours aussi pourrie. Je suis chez Free. Voilà, je balance. Non, je suis surtout en ADSL. Donc ma co montante est vraiment pourrie. Elle est partagée et déjà faible entre toutes les personnes sur la ligne. Et je suis en bout de ligne. Donc c'est pas terrible. Hop. Mes deux trous de placement du coup. Alors, je regarde si je suis obligé de faire ça symétrique ou pas. Ça fait quelle taille? On dit que ça faisait 50, donc 5 cm. Les 5 cm, je les ai là. Ils sont espacés de à peu près 2 cm 5, donc ça veut dire que toi. Voilà, le plus collé que je peux faire, c'est ça. Pareil pour toi, du coup. Et il faut que je place le centre à. Donc 25 sur 2, c'est moins 12 et demi. Et pareil pour toi. Passe-toi. Jusqu'à 12 et demi. Ok. Là, je sais que ça va rentrer a priori dans mon boîtier.
On revérifie. C'est marrant comment il l'avait placé d'ailleurs. Est-ce qu'avec ça, ça rentre comme paramètre? Il faut au moins 5 cm. Ouais, large. Ça va rentrer large. Ok, donc je vais partir sur ça comme placement, ça me semble pas trop mal. Je vais tout faire rentrer à la verticale maintenant. Du coup, je vais pas utiliser la zone de droite. Je vais d'ores et déjà pouvoir réduire la taille de mon circuit. Ah, quoique, est-ce que je fais ça? Hop, je vais regarder quelle taille j'ai. Alors ça, c'est parce que j'ai en fait mes connexions AC qu'il va falloir que je place aussi. Et si je les coupe un peu trop, ça sera pas forcément pratique. Est-ce que je peux les placer là sans trop de danger? Je pense que je vais les placer là. Hein. Je vais les placer au bord de mon circuit. Voilà. Donc toi, t'es placé à combien? À 22, et toi tu seras placé du coup. Transformateur 1. Là je vais avoir les endroits où je vais souder mes deux connexions pour le secteur. Il faut pas que ça soit trop près des connexions de masse. Parce que sinon ça risque d'arquer. Alors heureusement, on est dans. Enfin, ça dépend en fait du matériau qu'on utilise pour faire le board. Suivant le matériau qu'on utilise, on a plus ou moins de résistance électrique. Et un chiffre qui est pratique de retenir si vous faites de la haute tension sur des circuits imprimés, c'est que pour du FR4, qui est le truc standard que fait JLCPCB, c'est à peu près 1 kV par millimètre. Donc ça veut dire que au-delà d'un kilovolt, s'il y a deux pistes à 1 mm qui ont 1 kV de tension de différence, ben ça risque d'arquer entre les deux. Là, on a plusieurs millimètres larges de tous les endroits, tout ce qu'on a en fait. Là, je vais avoir en DX 3,5 mm. Donc, a priori, il faudrait 3500 volts pour arquer au travers. Après, c'est pas non plus le mieux, hein, de faire des circuits tout condensés. Faut pas non plus jouer trop avec. Je repasse en vue comme ça et je vais éditer de façon à avoir ça. Voilà. On va maintenant s'amuser à placer le reste de nos. Point. Alors, la masse, je vais lui dire de ne pas me l'afficher. Voilà, comme ça déjà, il m'en fiche pas la moitié des trucs. Ça m'aide à voir. La masse, c'est quand même la connexion qu'on fait le plus. Du coup, c'est normal de vouloir l'enlever de temps en temps. Parce que dans les circuits, il y a beaucoup, beaucoup de connexions de masse. C'est vite embêtant d'avoir plein, 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 plein de fils dans tous les sens. Là, on va placer gentiment nos diodes, D1, D2, D3. Et D4. Ça va être notre pont de diode. Je pourrais les coller vraiment au transformateur, mais en soi c'est pas nécessaire et c'est joli de les avoir à peu près au milieu ici. C'est assez joli à regarder aussi. Ok, donc ça c'est pas mal. On va avoir nos diodes ici. On a C1 et C2 ensuite. Je vais avoir C1 là. C2 là. Là, je suis à 1,5 et ici à 19,5. C'est peut-être ça. Hop. Surtout 56 de hauteur et ici 56,5. C'est peut-être pour ça. J'essaie de faire le truc le plus symétrique possible parce que c'est joli. C'est à peu près tout, hein. Hop, donc là on a nos deux premiers condensateurs. Régulateur de tension. Je vais en avoir un là. Et un là juste en face. Alors là, je vais passer en vue 3D. C'est joli, hein? Le truc qui commence à se placer, c'est sympa.
Qu'est-ce que je vais faire avec ces régulateurs? Si je veux pouvoir débiter plus de courant que prévu en changeant de transfo, par exemple, prenant un transfo du même style mais un peu plus fort, je risque d'avoir besoin de dissipateurs. Donc je vais les garder un petit peu éloignés l'un de l'autre pour justement éviter que ça chauffe trop avec les dissipateurs, les condensateurs, tout ça. Si c'est tout collé, j'aurai pas la place d'installer les dissipateurs. En fait, je peux faire ça. Je peux les rapprocher l'un de l'autre sans souci. Comme ça, parce qu'après ça risque d'être un peu trop proche. Je vais prendre un peu de proche. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Et on aura la place derrière de monter les dissipateurs thermiques s'il y en a besoin. C3, C4, ils sont là. Du coup, là, on voit plus rien. C2 ici, C4 là, C3 là, donc C1 ici, C3 là. Ça, c'est peut-être pas pile au milieu. Ouais, mon origine, elle n'est pas placée au milieu de mon truc. J'ai combien? J'ai 6 Cindy. Bon, c'est pas très très grave. Je vais placer à 1,5 de plus et ça sera très bien. C'est le côté perfectionniste qui ressort, quoi. Voilà, ça devrait être placé à peu près au milieu. Ok. Là, je suis bien à 13 et toi à 12. Je vais les remonter un peu ces deux-là. Ok, donc on a bien ça et maintenant il reste les deux derniers condensateurs à placer qui eux poseront pas de soucis si on les place ici par exemple, même là. Tant qu'ils gênent pas, je vais même plutôt les placer là, sans s'embêter. Ça sera pas l'architecture la plus compacte, ni rien, mais ça laissera de la place s'il y a des modifs à faire éventuellement un jour, des trucs comme ça. Si on veut rendre le tout un peu mieux. Et maintenant, il suffit de sortir les différentes bornes de connexion. Donc ça, je sais que ça rentrera dans ma boîte, typiquement. Comme c'est pour commun, c'est le point commun entre les deux, donc ça sera connecté à la masse dans mon cas, mais j'ai la possibilité de le connecter où je veux. En fait, je peux le laisser flottant. Flottant, ça veut dire que la limbe est complètement isolée. Donc en plus d'avoir une alimentation régulée, elle est isolée. C'est assez pratique dans certains cas de figure. Donc là j'ai 8 d'écart et là j'ai d'écart. On a plus 15 volts, comme et moins 15 volts ici. Il va falloir que je route tout ça. Donc là, le PCB est fini sur le principe. On a le placement de tous nos composants. Ça va ressembler à ça à la fin. C'est assez cool. Voilà, quelques régulateurs, tout ça. Donc la chaleur va sortir ici. J'aurai des dissipateurs sur les côtés si je le souhaite. J'en ai quelques-uns à la maison. Mais a priori, 200 mA, ils vont pas trop dissiper d'énergie, quoi. Pas trop dissiper de chaleur, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et surtout, le fait qu'il soit posé, il sera posé comme ça à la verticale en fait, hein, ça veut dire que la chaleur va monter directement, elle va pas tomber dans les condensateurs directement, elle va plutôt monter, pas aller dans le transfo du tout. Donc c'est plutôt pratique aussi. Et ça, c'est un truc que je vais pouvoir monter sur ma petite plaquette.
Ouais, t'as vu Philippe, elle est vachement cool la vue en 3D. Du coup, tout ça, c'est du fait à la main, hein, le petit composant et tout, c'est moi qui ai fait les petites briques en les plaçant, tout ça. Donc là, par contre, j'ai sorti les docks techniques, tu sais, les docks techniques des condensateurs, des tailles standards, et j'ai regardé les tailles à peu près standards de tous les condensateurs que j'avais à la maison pour avoir ce genre de résultat. C'est plutôt cool d'avoir ça aussi. Voilà, alors je peux décaler ça encore un petit peu par là si je le veux. Pour bien le centrer. Puis il n'y a pas grand chose d'autre en fait dans une aligne comme ça. On va repasser en vue planification de board. On va descendre ça à cet endroit-là. Voilà. Super. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ben les liaisons réellement. C'est faut faire le routage. Donc c'est là maintenant. Patricia, que commence le routage. Dans les circuits plus compliqués où il n'y a pas trop de composants, là ça va, j'en ai peut-être une dizaine en tout. Dans les circuits plus compliqués où tu as plein de composants, je peux t'en sortir un, tu vas voir la tête que ça a. Par exemple, le M3207 que je vais refiler gentiment, je fais la commande groupée avec les gens du d'Effet Guitare Do It Yourself. Voilà, là il y a quand même pas mal plus de composants. Hein. J'ai une quarantaine de résistances, peut-être une vingtaine de kappa. Et quelques circuits intégrés, quelques trimmers et tout. Donc ça va avoir cette tête-là, le board, une fois terminé. Donc il y a du top layer en rouge, c'est-à-dire que j'ai des traces faites sur le rouge, en haut, mais aussi sur le bas du circuit, en bleu. Ça pique un peu les yeux d'ailleurs. Vous les voyez pas très bien, mais là par exemple, j'ai une trace marquée VREF. Et quand je clique dessus, bah, ça va me sortir là où je l'ai câblé, quoi. Ça va ressortir ailleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment le circuit imprimé que j'ai fait pour l'électrique Mistress, à base de 3207. Pour la vue 3D, c'est assez compact, hein. C'est assez violent, et les potentiomètres seront montés, enfin peuvent être montés sur le circuit. C'est prévu pour rentrer dans un 1590BB, donc les boîtiers un peu plus gros que les 125B habituels. Voilà, et t'as quand même pas mal de puces dedans, enfin c'est plus compliqué qu'une alim. Là, l'alim... Voilà, t'as 15 composants qui se battent en duel, si t'as pas fait d'erreur de trace, c'est très bien. Donc ça, typiquement, je vais le faire en 5 fois et c'est fini. Je le ferai faire à 5 fois et je les commanderai avec le reste. Hop, je vais pouvoir fermer ça. Là, on va faire le routage à proprement parler. Donc la première chose à faire, c'est de choisir son diamètre de fil. Là, on a plein de place, donc on va pas s'embêter. Je vais prendre des fils de 1 mm, ce qui est beaucoup. Pourquoi changer la taille des traces? En fait, c'est ça, c'est les traces plutôt que les fils. Pourquoi changer la taille des traces? Parce que parfois on a besoin de faire transiter du courant, et quand tu as 10 ampères à faire passer dans une trace, si elle est trop fine, elle brûle. C'est juste pour la dissipation de courant. Rien d'autre. Donc toi, je vais directement t'éloigner le plus rapidement possible du bord et te faire passer le plus loin possible des trous. Donc ça c'est le secteur. Je veux l'éloigner le plus possible de toutes les autres connexions pour éviter que s'il y a un truc qui est bréché, le PCB qui est mal coupé ou quoi que ce soit, ça foute la tension secteur directement dans la sortie. Faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on va faire. Donc quelque chose comme ça me semble pas trop trop mal, typiquement. Je vais juste les faire se rejoindre à peu près au même endroit. Ça fera l'affaire. Voilà, première étape. Deuxième étape, toujours avec du 1 mm. De toute façon, on va pas sortir beaucoup de courant, donc je prends de la taille un peu grosse, comme ça se voit bien, et je sais que ça sera bien soudé correctement. Hop, je vais avoir lui à faire, et aussi lui qui sera relié au même point. Voilà. Les deux 18 volts sont reliés ensemble, les deux moins 18 volts aussi. Et là, on a un problème. Vous voyez que je dois passer de là à ici. Alors ouais, je peux faire tout un gros détour comme il est en train de me le proposer. Mais c'est quand même pas super pratique. Du coup, moi, ce que je vais faire plutôt, c'est passer en bottom layer. Et là, je vais faire une trace en dessous. En soi, c'est pas nécessaire. Et Philippe, toi, t'es un peu l'expert des routages Manhattan. Où tu sors une grosse plaque de cuivre top layer et tu fais que tes routages comme ça. C'est vrai que pour le coup, je suis assez impressionné à chaque fois que je vois ça. Tu fais tes découpes à la Dremel ou à, je sais pas avec quoi, un cutter, une lime, et tu fais tes découpes sur une plaque de cuivre vierge entière. Du coup, c'est assez violent. Là, j'ai l'option de pouvoir faire du top et du bottom layer, donc de router sur deux plans parallèles. Ça va m'aider, bien sûr que ça va m'aider.
On va ensuite, j'essaie juste de toujours faire le maximum de top layer possible. C'est la seule contrainte que je me donne. Je veux vraiment que ça soit bah, le plus possible routé en top layer. Là, typiquement, je vais faire comme ça. Ah, tu le fais à la Dramel. Je devrais m'y mettre, mais c'est du taf, hein. C'est pas mal de taf. Là, j'ai fait ça. Alors là, je vois qu'il y a un truc qui m'embête, c'est que le grand est à gauche, la sortie est là. Typiquement, lui, il m'embête parce que la prise d'entrée est au milieu. Ça, je suis pas méga fan, j'avoue. Moi, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais contourner. Je vais faire du bottom layer pour lui. Je vais le contourner assez largement pour pas que ça soit trop proche de ça non plus. Par contre, j'ai aucune honte à faire ça. Tu lis le schéma ou tu t'en souviens pour router? Alors, ça se voit pas très bien, je pense, sur la vidéo, mais tu vois, Patricia, tu as. Lire le schéma, ça aide. Je le fais souvent quand j'ai plein de trucs à router. Par contre, là, tu vois que j'ai des petits fils gris qui m'indiquent en fait où est-ce que je dois relier. Là, tu vois, le moins 15 volts, il est relié à droite, puis en bas, mais aussi à cette pin-là. Donc, en fait, ça m'aide. Ça te dit ça doit être relié à ça, ça, ça et ça. Ça aide vachement pour ce genre de choses. Là, tu vois, quand je clique dessus, en plus, Altium, mon logiciel, il va me surligner. Là, je vois que je dois aller là-dedans. Tu vois, il me surligne un petit peu en couleur les différents endroits où je dois aller. Ce qui est d'autant plus pratique. Donc là, tu vois, ça s'est surligné. Ça redevient normal. Ça assombrit le reste, en fait. Enfin, donc là, je force un peu mon signal à passer dans la capa. Je suis obligé de passer par là. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ici, effectivement, c'est relié. Mais le fait d'avoir la capa sur le chemin, t'es sûr et certain que t'auras pas trop de problèmes parasites, style haute fréquence à la con, des trucs comme ça. Bon, c'est pas trop le cas ici, mais je préfère faire ça en termes de routing pur et dur. C'est peut-être pas nécessaire non plus. Moi, je suis sûr que je charge bien mes capas, quoi. Et voilà, on en est à ça. Donc, en soi, j'aurais pu tout faire juste avec du top layer. Parce que là, si je fais le bon détour, je peux aller câbler ça, puis lui, je peux le mettre là. C'est pas trop un problème, franchement. Ouais, on les voit pas trop bien sur la vidéo, je suis désolé. J'ai en fait mon téléphone à côté de mon ordi pour surveiller le chat et voir que la vidéo se diffuse bien. C'est plutôt pratique d'ailleurs. Voilà, ça donne ça pour le moment. La dernière chose à router, c'est la masse. Et je vais tricher pour faire la masse. Il y a un truc qu'on peut faire bien pour la masse, c'est un plan de masse. Je vais en faire deux, un en top layer, un en bottom layer. Par contre, j'ai de la haute tension. Là, cette connexion live et cette connexion neutrale, c'est de la haute tension. Je veux surtout pas avoir de masse trop proche de ça. Du coup, pour ça, je vais aller dans le design rules et je vais lui rajouter une règle ici. New rule. Priorities. 1. C'est celle-là qui sera en premier. Ok, là je vais lui dire, je veux le net live et tout le reste. En soi, je peux choisir net grand, ça sera pareil dans mon cas précis. Et je veux lui dire que je veux une clearance minimum, donc un écart minimum de piste. Je veux un écart minimum de piste de 1,5 mm. Je vais même faire 2 mm. Allez, amusons-nous. 2 mm. Ensuite, je vais lui dupliquer cette règle et lui dire que je veux que le net neutral soit aussi à 2 mm. Donc là, je lui dis que ces deux-là soient à 2 mm. On peut faire des demandes spécifiques où on fait des ou logiques entre les noms des trucs. Et là, je viens de lui dire, je veux impérativement que le ground soit loin du neutre à de 2 mm minimum et loin du live de 2 mm minimum. Du coup, loin des deux connexions secteurs. Par exemple, si là, je viens prendre ground et que j'essaie de m'approcher à plus de 2 mm, il veut pas. Il essaie de déplacer pour que je passe, mais il veut pas. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant, a priori, si je place, comme je vais le faire là, un pourtour sur toute ma carte de masse, donc là je suis en train de lui dire, vas-y, fais un polygone, un petit rectangle en top layer. Je veux que tu le connectes
au ground et que tu me enlèves les îles éventuelles qui peuvent s'apparaître. Ça n'arrivera pas ici, donc on s'en fout. Hop, re-remplis-moi ça. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de place, 2 mm de part et d'autre, autour des deux connexions secteurs. Là, je suis sûr et certain que ça ne va pas arquer entre mes deux connexions. Par contre, partout ailleurs, j'ai 2,5 mm. Mais je travaille avec 18 volts. Du coup, je m'en fous, c'est pas très grave. Ça, c'est pas gênant. On voit aussi qu'il en a profité pour connecter les grounds tous ensemble. Le ground là, on voit qu'il y a des petites pointes au-dessus de part et d'autre, des trucs comme une croix autour. Ça, c'est des zones de contact de la piste. Pareil ici. Il les fait pas pleines, hein. On peut lui dire de les changer, de faire qu'un seul ou les quatre ou des formes bizarres. Et lui, il les fait par quatre et j'ai jamais eu de problème avec ça, du coup, je les conserve comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le bottom layer et on va faire exactement la même chose. Et là, je crée un double plan de masse. C'est pas nécessaire, certains veulent faire des plans de. Il y a des plans d'alim qui existent aussi dans des pédales un peu compliquées. Dans les circuits numériques aussi, où il y a plus que 2 layers, on peut en faire 4, 6, 8. On peut créer des plans intermédiaires qui sont avec un VRF, deux VRF, la masse, l'alim et tout ce qu'on veut comme ça. Voilà. Super, donc là encore, il a laissé de la place autour à 2 mm pour pas avoir trop de problèmes. Donc là, on voit typiquement que bah, lui, il n'est pas placé là où j'aurais voulu qu'il soit placé. Si je refais ça, c'est bon. Donc voilà, donc ça prouve que j'ai toujours pas bien centré mon truc. Effectivement, c'est vrai, parce que je suis à 52,5 ou un bail dans le genre autour. C'est pas très grave. Donc là, notre circuit. Si on le regarde, on voit en fait qu'il y a deux couleurs de vert. Il y a le vert clair et le vert foncé. Le vert foncé, c'est les endroits où il n'y a pas de cuivre, où ça sera enlevé. Et le vert clair, c'est là où il reste du cuivre. Voilà, donc là on voit qu'on a les deux traces, ici et ici, que j'ai placées à la main. Et tout le reste en vert clair, sauf les zones proches de la haute tension, c'est la connexion qui se fait pour les plans de masse. Du coup, ça traverse à chaque fois. Donc on a vraiment deux zones de masse complètement reliées. C'est pas nécessaire de le faire sur tous les circuits. Là, j'aurais clairement pu router la masse à la main, mais c'est vachement plus rapide de placer deux rectangles, de dire, allez, tu me connectes tout et c'est fini. Et ça ne devrait pas générer de défaut sur ce circuit-là. Voilà, la dernière étape qui reste avant d'envoyer ça à l'impression, les deux dernières étapes, il va falloir lui délimiter les zones extérieures. Donc là, je vais aller dans un layer en bas, j'ai la liste des différents étages de conception que j'ai. Donc j'ai le top layer, bottom layer qui sont les deux endroits où je mets mon cuivre. Mechanical 1, c'est tout ce qui va permettre d'afficher la 3D. C'est juste comme ça que je l'ai fait. Pardon. Le top overlay, c'est toutes les écritures jaunes qu'on voit avec les noms qui seront affichées sur le circuit. Bottom overlay, c'est pareil, mais de l'autre côté. Je vais l'utiliser juste après. Les paste et les solder, c'est uniquement lorsqu'on veut faire des placements CMS en fabrique, tout ça. Donc c'est pas gênant. Drill guide et drill drawing, c'est les guides de perçage. Multilayer, c'est tout ce qui va traverser tous les layers de cuivre. Donc par exemple, les pads que j'ai là, les pastilles, ce sont des multilayers. Parce que ça va connecter du plan du haut au plan du bas en passant au travers toutes les éventuelles couches de cuivre qu'il y a. Le dernier que je vais utiliser, c'est le keep out layer. Ça veut dire reste en dehors. Et ça va demander à tous les composants, toutes les traces, tout, de rester en dehors des zones délimitées. Là, je suis en train de gentiment lui délimiter toutes les zones où il n'a pas le droit d'aller. Et on voit qu'il y aura des problèmes. Donc je relance les polygones pour recréer le plan de masse correct. On voit qu'il y a un léger espace entre la zone de garde en fait et ça, de la marge. Et je regarde à la main s'il n'y a pas du vert. Ça n'a pas l'air d'avoir de vert. Donc ça veut dire qu'il a bien placé, sans souci, tous les composants dans la zone que je lui ai délimitée, sans que ça déborde. J'essaye d'en bouger un. Il va tout de suite gueuler en disant, attention, tu l'as connecté au mauvais endroit. Voilà, tu as essayé de passer. Et j'ai pas le droit. Donc je le fais pas. Voilà. Une étape qui reste à faire aussi, c'est que je vais rajouter un texte. Hop, placer. String, donc chaîne de caractères. Alors je sais pas pourquoi il me les affiche toujours en miroir. Complètement fumé. Hop, ma chaîne de caractères, ça sera nataamp 2 x 15 volts 200 mA lab regulated PSU.
Et on est en mars. Voilà, la dernière chose que je vais rajouter, c'est rêve. Voilà, donc ça c'est juste, je signe entre guillemets ma carte pour que toutes ces infos soient écrites. Par contre, je veux centrer ça. Et je vais utiliser la touche L pour l'envoyer sur le bottom layer, à cet endroit-là. Je pourrais le mettre ailleurs, mais c'est là où j'ai le plus de place. J'essaie de faire ça sur vos circuits, notamment de les dater, de donner des numéros de révision, parce que ça permet de savoir quand est-ce que vous les avez lancés, fabriqués, etc. On voit que ça s'affichera ici, donc lorsque j'imprimerai le circuit, j'aurai bien ça qui sera écrit à la fin. Plutôt cool, non? Dernière chose que je vais faire, c'est lancer un check. Design rule check, donc je vais lui demander, vas-y, vérifie qu'il n'y a pas de problème sur mon schéma. Dis-moi que tout est bien, et il va me sortir des tonnes d'erreurs. Voilà, de tout ça à tout ça. Donc attention, attention, le trou de perçage que t'as fait, il est plus grand que 2,5. Oui, je sais, je lui ai demandé de faire du 4 mm, c'est normal. Pareil pour le deuxième. Pareil pour les autres qui sont trop gros. Forcément que tu vas avoir des problèmes. Les tailles de trous, je m'en fous, c'est juste que dans mes règles, je lui ai dit, bah voilà. Par défaut, Altium lui a mis comme règle par défaut, les trous doivent être plus petits que 2,5 mm. Le problème, c'est que là, je fais des emplacements de perçage. Du coup, il me faut plus que ça. Du coup, ce ne sont pas vraiment des erreurs. Celles-là, je peux ne pas en tenir compte du tout. Alors, est-ce que je peux même les supprimer? Parce que moi, je ne les lis même plus quasiment, hein. Clear Selected, voilà, je les ai virés. Ensuite, tout le reste, c'est Silk to Silk Clearance. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, attention, tes marquages, ils sont trop petits. À cet endroit-là, tu es inférieur à 0,254 mm. Et du coup, tu peux avoir un problème. Lorsque tu vas imprimer le truc, tu risques d'avoir de l'encre qui coule entre les deux. Je m'en fous. Je m'en fous de l'encre. Pareil là, 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 là. Donc tout ça, c'est que des fausses erreurs. Par contre, les erreurs qui m'auraient embêté, c'est, attention, tes pistes sont trop proches. Ça, c'est embêtant, ça veut dire que c'est pas prévu. Ça, c'est du trace to trace clearance qui va afficher. Lorsque, par exemple, j'ai, notamment les pistes trop proches pour la tension, c'est gênant. Mais lorsque j'ai, par exemple, des trucs qui sont pas connectés, par exemple, attention, les trois quarts de tes connexions de masse sont pas faites. Ok, c'est pas normal. Il y a un problème, pourquoi est-ce que ça s'est pas fait? Il faut que je regarde à nouveau, ou peut-être que je l'ai pas fait. Ça arrive en faisant ça d'oublier une trace. On a oublié dans un schéma un peu compliqué une trace qui manquait et du coup la piste de cuivre est pas faite et va dire attention vous avez pas mis la piste de cuivre et ça permet de le revérifier. Par contre tout ce qu'il y a là c'est vraiment des trucs dont j'ai pas grand chose à faire donc je vais les virer et j'ai pas d'erreur critique pour mon design donc ça c'est bon c'est un truc qui est prêt à être envoyé à l'impression. Il reste juste à générer les fichiers Gerber, à aller dans JLCPCB et à passer la commande a priori. Je vais te faire juste une dernière chose. C'est que je vais regarder une dernière fois mon schéma pour être sûr que j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Donc pour savoir si j'ai mis un truc correct, alors toi tu vas en prendre 5 dans le panier pour pas oublier de les acheter. Je vais gentiment taper. Je vais lui faire de la pub. Tiens, Sonelec Musique. C'est un super site, vraiment trop cool. Je pense que vous le connaissez déjà, il y a beaucoup d'informations dessus. Là c'est les trucs tuto théoriques qu'il a, mais il a aussi d'autres choses. Électronique. Réalisation pratique et il n'y a pas grand chose à voir. Ouais, il y a quand même des pages et des pages de trucs. Alors, où sont ces alim? Alimentation symétrique plus ou moins 15 volts basée sur les LM78 et 79. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Je vais sortir celle-là parce que du coup, on va pouvoir faire autre chose d'intéressant. Voilà, donc là, c'est ça le schéma que lui a utilisé pour le faire. Et on voit que c'est exactement la même chose que nous en fait. Voilà, c'est quand même plutôt pratique. Alors, j'en profite pour regarder mon circuit. Il y a un truc que j'ai pas câblé. Y a un truc qui manque sur mon circuit. Un seul. Les connexions pour l'alim. De la LED. Donc, en fait, j'ai des indicateurs. J'ai des petits indicateurs sur mes boîtiers qui sont à LED a priori et que je peux connecter. Alors, j'ai plusieurs options pour ça, mais je pense que je vais les connecter directement. En l'air, en dehors du PCB, donc j'ai pas vraiment à faire de trucs pour ça, ça sera pas un problème. Donc je vais le laisser sans la connexion de la LED. On va regarder un petit peu le schéma que nous propose Sonelec, parce qu'il est un peu plus compliqué que le nôtre. On voit bien qu'on a le 78-15, le 79-15. Ça, ok. On a bien la sortie 15 V, 0 V, moins 15 V, et lui il met des capas 22 microfarads, au lieu des 1000 que j'ai mis. On n'a pas une
perd en parallèle. Par contre, il a un peu plus de trucs. Il a en entrée son fusible. Moi, je l'ai monté sur le châssis. Donc, c'est pas un problème, je l'ai aussi. Par contre, il a une varistance. Ça, c'est en cas de problème. En cas de problème sur le transformateur, tout ça, elle va avoir un effet. Notamment en cas de surtension, on va y avoir un effet où ça va laisser passer du courant, du coup ça force la tension à redescendre, des choses comme ça, un peu spéciales. C'est pas vraiment le genre de choses que moi j'ai l'habitude de mettre dans mes circuits, mais on peut en mettre. Il donne la référence en dessous. Lui, il utilise un transfo de 2x15 volts, moi j'ai pris un 2x18 pour avoir de la marge. C'est pas très grave, sauf que moi je vais dissiper un peu plus sur mes 78,15 et 79,15. Parce qu'ils doivent descendre une tension plus élevée. Ça ne va pas changer grand-chose en pratique. Ils ne chaufferont pas énormément et pour 200 mA, ça va. Lui, il a mis des LED en sortie. Moi, je n'en ai pas. Mais j'ai mon indicateur que je câblerai après. Lui, il utilise des AN4007. Donc ça, c'est bien moi ce que je fais également. Mais il met en parallèle de chacune un condensateur de 47 nF. Ça sert juste à lisser un petit peu la tension du secteur et surtout à empêcher qu'il y ait des pics de courant dans les diodes. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, les diodes mettent un petit temps à conduire et peut y avoir des pics, des appels et ce genre de choses. Ça permet de forcer le courant, enfin la tension aux diodes à pas être trop élevée et ça fait une mini charge de courant le temps de la commutation des diodes. C'est des trucs subtils, mais c'est cool de l'intégrer et pas mal de schémas ont ça. Il propose une deuxième réalisation largement plus poussée. Cette fois-ci, on sort toujours 15 volts. Alors à peu près, hein, il affiche 14,5 volts. Les transfos qu'il a en entrée, c'est du 2x15 volts. Et avec son pont de diode, il arrive à générer plus ou moins 20 volts. Waouh, pourquoi il y a tout ce bazar? C'est quoi ces transistors au milieu? Ça sert de filtre supplémentaire. Les transistors qu'on a là, ils sont montés en multiplicateur de kappa. Et du coup, en fait, ils donnent un gros gain énorme aux kappa qu'ils ont juste en dessous d'eux à chaque fois. Ou juste au-dessus d'eux. Et on va se retrouver avec une alimentation extrêmement bien filtrée. Donc non seulement elle est extrêmement bien filtrée avant le régulateur, mais après le régulateur aussi. Les régulateurs sont pas parfaits, ils vont pas sortir une tension fixe parfaite. Ils auront des petites oscillations de l'ordre du millivolt ou de la dizaine de millivolts. Le fait de rajouter ces montages-là, on perd de la tension, on a plus de composants, ça coûte un peu plus cher. Par contre, on a vraiment des niveaux très faibles. À la centaine de microvolts, dizaines de microvolts. Quand on pousse ça à l'extrême, pardon, on arrive même à descendre à des trucs aberrants, genre la centaine de nanovolts de variation. C'est des trucs assez fous. C'est un gars sur un forum Facebook qui s'est éclaté à fabriquer une super alim régulée pour pédale d'effet. Genre dans sa pédale, il mettait un énorme machin, c'était que l'alim. Et ça donnait une super alim 8 volts hyper bien filtrée et tout, mais ça sert pas à grand chose quoi. C'est quand même des pédales de guitare des fois. Voilà, donc lui il a ça comme schéma. Donc moi est-ce que j'ai pareil? Bah en soi j'ai pas loin. Alors lui il fait ses montages comme ça. Donc là j'ai les deux plus qui visent de l'un et de l'autre. Donc moi j'ai lui et lui, ça c'est bon. Lui il va là, ça c'est bon. Ensuite, kappa à la masse, kappa à la masse. Très utile pour alimenter des préamplis phono. Oui, c'est très très utile pour ce genre de choses parce que la phono, ça demande des alimes quand même pas mal bien foutues. C'est assez sensible, j'ai l'impression, ces trucs-là. J'en ai pas trop fabriqué, mais ça m'avait l'air assez sensible. Hop, du coup, j'ai bien mes trucs comme ça. In-out ground, in-out ground. Alors là, il me dit, il me rappelle les pins sur son truc. Il a 1, 2 et 3. Donc moi, je vais bien avoir 1, 2 et 3 aussi. Elles sont là hein, quand on regarde. Alors, je vais revenir ici. Donc mon 78-15, il y a 1 en bas, 2 au milieu, 3 en haut. Si je repasse en vue composant, j'ai bien 1, 2 et 3, c'est correct. Donc j'ai bien entrée, grande, sortie. Entrée, grande, sortie. Par contre, le 79-15, c'est bien l'entrée sur le 2, c'est ce que j'ai là. Le grande sur le 1, c'est ce que j'ai là aussi. Et la sortie sur le 3, c'est ce que j'ai là aussi. Donc là, je suis content. Les deux 78 que je viens de faire, c'est bon. Sensibilité d'une cellule phono, 3 mV. Si tu as une millivolt d'ondulation, c'est pas top. Effectivement, il faut toujours comparer avec les signaux que tu regardes. Si ton alim, elle oscille sur 1 mV, mais que ton signal fait 2 volts, pédale de guitare par exemple, bah c'est pas un problème. Sur la phono, dès que tu as un moindre problème, tu entends un buzz dégueu, un vieux bruit pourri. Sur les lampes, tu peux te permettre des oscillations de 10 volts sur la lime. Parce que la lime, elle est à 400 volts,
et que tes lampes en sortie, bah, tu t'en fous, elles sont en push-pull classe AB, elles vont empêcher ce genre d'effet de trop les embêter et ça rejettera bien le secteur. Et de toute façon, pour le préampli, c'est correctement filtré derrière, donc c'est pas un problème. Par contre, sur les amplis à lampe avec une seule lampe de puissance, single ended, bah, tu risques d'avoir des problèmes parce que cette oscillation, elle n'est pas rejetée par la paire de lampes, donc on a une moins bonne rejection du bruit de l'alim. Et du coup, ça va poser des problèmes. Donc moi, j'ai des amplis de gratte qui buzzent, que j'ai fabriqués, qui buzzent parce qu'ils ne sont pas assez bien filtrés, tout simplement, dans l'alim. J'en ai aussi un qui est le champ que vous avez peut-être pu voir sur le groupe lampe, dédié aux lampes et aux tubes. Le champ que j'ai, il a un sale filtrage direct, donc je perds de la tension, mais j'ai quasiment pas de bruit derrière, quel que soit le niveau de volume que je lui mets d'ailleurs. Il crache salement bien, 3,5 watts, c'est pas mal. Un peu fort. Voilà, mais du coup là le circuit est correct. Et de toute façon, si je me suis trompé dans le sens des diodes, en fait, c'est juste le placement sur le circuit qui va changer. Je me dirais, ok, j'ai oublié de mettre cette diode dans le bon sens. J'ai juste à l'inverser quand je la soude. Voilà, donc a priori, on est bon, on va pouvoir lancer les paramètres JLC pour l'exporter. Je vais vous faire ça et ensuite je vais pouvoir terminer notre live. La dernière chose que je fais, c'est donc la fabrication. Donc je vais créer les fichiers NCDrill. Et pour ça, je vais m'aider du guide Altium Designer fait par JLC. Là, ils disent pour le NCDrill, vous sélectionnez ça, vous prenez inches 2 quarts. Je suis inches 2 cinquièmes, donc je vais mettre 2 quarts. Suppress leading zeros, je l'ai là. Référence to relative origin, je l'ai là. Et j'ai rien à changer là-dedans. Ça, c'est bon. Là, il est en train de me générer les fichiers. Ok. Je peux fermer ça. Et je peux fermer ça. Maintenant. Je fais file fabrication et là je vais lui dire fais-moi les fichiers Gerber. Tu sais Gerber c'est les fichiers conception de routage, placement, et après ils peuvent le faire avec ça, c'est un standard. Inches 2 cinquièmes, c'est bien le cas. Dans la section layer, je vais lui dire lesquels je veux voir. Donc je vais mettre tout sauf les paste. Top overlay, layer, tout ça. Pas paste. Mechanical 1, keep out layer, oui. Et les master, je crois qu'on s'en fout. Ouais, il les met pas. Mechanical layers to add to all plots. Voilà, il met mechanical 1. Je pourrais mettre autre chose, mais j'ai que ce layer-là qui est intéressant. Drill drawing, on l'utilise pas. Aperture, il veut qu'on ait ça de coché. Et en avancée, il dit utiliser les software arcs. Ça, c'est à cliquer. Suppress leading zeros, référence to relative origin. Ouais, unsorted, etc. Donc ça, c'est bon. On appuie sur OK. Et il nous sort. Ça, c'est le plan. Normaliser format Gerber qui permettent de dire voilà, donc ça c'est ton plan, dessus tu auras ça, c'est tes différentes couches et voilà. Et c'est tout. Maintenant tout ça a été exporté. Je l'ai dans mes documents. Projet Altium. Alim 2x15 volts, 100 mA. Document de sortie. Et là j'ai tous mes fichiers qui ont été générés par cette petite procédure. Donc je vais aller dans Nouveau, dossier compressé. Alimentation 2 x 15 volts rêve A. Clic, on met tout. Ils auront le design rule check tant qu'à faire, ça ne me coûte pas plus cher. Et là, je vais aller sur mon compte JLC PCB. J'ai pas d'infos sensibles donc ça devrait pas poser de problème. Façon, mes mots de passe sont préenregistrés. Voilà. Là, je vais aller dans My File. On attend 2 heures que ça charge parce que leur site n'est pas trop optimisé. Voilà. Je vais dire, rajoute-moi un fichier Gerber. Je veux que tu me prennes l'alimentation qu'on vient de concevoir. Là, vous aurez vraiment vu toutes les étapes de comment sur Altium on conçoit des pièces, des footprints, on fait le schéma, on route sur le PCB, on design le PCB, on exporte et on met sur JLC. Pourquoi JLC? Parce que c'est pas cher du tout. C'est incroyablement peu cher. 3,36 € les 5 pièces. Ça coûte que dalle. Il y a une dernière vérif à faire.
Vérifions que les fichiers Gerber exportés sont corrects. Et là, on a magnifiquement toutes les connexions qu'il faut. Voilà. Ça, c'est vraiment cool. Nickel. Ça me semble bien. Est-ce que tu peux m'afficher le bottom layer? Voilà, j'ai les deux pistes que je veux. Donc là, il a bien pris tout ce qu'il fallait. J'ai bien deux layers, j'en veux que 5, ça devrait pas poser de soucis. Parce que là, vraiment, j'ai que 5 alim de ce style. Je les veux en vert, parce que le reste, ça rajoute du temps de fabrication, donc je m'en fous. Allez, sous du replomb, c'est plus rigolo. Je m'en moque aussi. Hop. Ah, j'ai pas donné la loc. Ouais, d'accord, il y a ça. Donc, remove order number. Ça coûte 1,26€ d'enlever le numéro. En fait, ils vont me placer quelque part de manière aléatoire un numéro d'identification JLC. Je m'en fous. Ils le mettront où ils veulent. Sinon, dans le design, on peut effectivement lui dire. On a juste à afficher zone comme ça. Zone de texte. Et là, on lui dit JLC, 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 JLC. Et quand on fait ça, on lui dit dans la commande. Donc là, par exemple, je peux le placer sous le transfo. Quand on va dans la commande, on peut lui dire Specify a location. Là, il remplacera le JLC, 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 JLC par leur numéro d'identification de circuit. C'est pour eux, pour les aider. Et on peut lui dire, vas-y, supprime-le, mais alors ça leur rajoute un peu de temps pour le faire. Ça, je suis pas spécialement pressé ou embêté, donc je m'en fous, je vais le prendre le moins cher possible, mais là on voit quand même que je vais payer des circuits assez bien réalisés qui tiendront largement pour ce que je veux faire. À 3,36€ les 5. 3,36 divisé par 5, c'est 70 centimes le PCB bazar, ça coûte rien. Voilà. Donc ça, je l'ai rajouté à mon panier avec les 4 autres trucs que je vais fabriquer. Notamment des adaptateurs JFET. On voit que j'en commande 1000 et que ça me coûte 15€. Même pas 14,20€ pour 1 millier d'adaptateurs JFET. Je me servirai jamais d'autant de ces trucs, mais au moins vous savez que si vous en voulez, j'en aurai de côté quoi. Super. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. C'est un peu la dernière occasion d'en poser avant que j'arrête le live. J'attends un petit peu parce que le temps que ça arrive dans le chat. Je sais pas si ça vous a plu, si c'était trop long, trop court. Là, ça fait quand même 2 heures qu'on est, donc je pense que trop court, non. Pas trop. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais voilà, en 2 heures, on a quand même fait pas mal de trucs et ça aurait pris un peu moins de temps si j'avais pas streamé en même temps, puisque forcément j'aurais passé plus de temps, quoi. Pourquoi Altium au final? Parce que c'est le logiciel qu'utilisait mon école et je me suis habitué à l'utiliser. Donc j'utilise ça, mais je pourrais très bien utiliser EasyEDA, ce genre de choses. J'aime beaucoup le fait que je puisse fabriquer mes librairies, puis surtout j'ai fabriqué mes bibliothèques. Déjà dedans, et j'ai pas envie de les refaire sur un autre logiciel, ça m'embête. Je peux pas les exporter, je peux pas les transférer facilement. Du coup, là, je suis vraiment sur Altium parce que j'ai ces bibliothèques-là que j'ai réalisées. Après, je peux passer sur n'importe quel autre soft tant que je peux faire les mêmes actions, quoi. C'est juste que je me suis habitué à utiliser ça. Merci mille fois, tu as démystifié pas mal de choses pour moi, merci. Pas de soucis, Patricia. Ce que tu viens de voir là, c'est la méga base des élims. Aussi, et du routage. Donc, c'est les trucs faciles à refaire. Et en fait, si, là, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de connexions. Tu peux le faire toi, limite en point-to-point avec du turret board si tu veux te fabriquer une alim de labo pas cher. C'est aussi l'occasion. Hop, Plop Gecko's Lab. Bonne fin de soirée à tous. À la main, j'aurais mis une demi-journée avec le câblage, mais version prototype. Oui, forcément. Surtout si tu dois te taper la Dremel pour faire les pistes et tout ça. Moi, pour le coup, si j'avais dû faire ça à la main, j'aurais sorti. Tout ce qui est basse tension sur un strip board tout soudé, et j'aurais sorti le transfo à côté. Mais là, je veux vraiment faire un truc propre, déjà pour faire un live avec vous, pour tester un peu tout ça, et pour avoir un truc propre en résultat final dans mes boîtiers. Parce que j'ai 4 boîtiers que je vais refaire avec ça. La cinquième PCB, c'est si j'en claque un, au moins j'en aurai un en rab. J'arrive toujours après la bataille. Et oui, effectivement, désolé, c'est un petit peu tard pour tout ça, mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Lâcher des pouces bleus, partager la vidéo. Non, pardon. Non, mais oui, effectivement.
Oui, mais tu sais, la charte, toujours la charte. Bah écoute, là, acheter, ça se fait en fait. C'est un peu flippant au départ. Là, c'est parce que j'ai juste un transfo. Mais en soi, une fois que c'est soudé, t'as pas beaucoup de danger sur ce truc, quoi. La seule danger que j'ai là-dedans, c'est bah, va falloir que j'isole un peu. Parce que là, je veux pas que ma haute tension, lorsque j'ai mon circuit qui est fixé à mon boîtier, je veux pas que la haute tension touche le métal. Ça fait un court-circuit, ça fait péter les plombs. Du coup, je vais devoir trouver un moyen d'isoler un petit peu, et avec 2-3 couches de scotch, ça sera suffisant. Ça, plus des spacers à ce niveau-là, pour laisser un petit peu de marge. Voilà. Merci Philippe. Ah oui, tout à fait, t'en fais pas, je sais bien que je fais ce que je veux sur ma chaîne. Super. Bah écoutez, à l'occasion, je reposterai quand je fais des lives. Ça sera peut-être 2 dimanches par mois, quelque chose comme ça, si je refais des lives et tout. C'est cool de partager ça avec vous, de pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez faire des trucs style analyse de circuit et tout, j'ai acheté une petite webcam pas chère qui fait de la HD. Vous aurez pas la HD à la maison parce que ma co est toujours le facteur limitant, mais au moins on pourra tracer et analyser du schéma ensemble. Ça peut être intéressant aussi. Pas de soucis Farid, merci à toi d'être venu. Je vais arrêter le live. Au revoir tout le monde.